à tes pieds. Nous sommes devant toi, Seigneur, celui-là qui bâtit son église. Père, viens nous donner la forme qui te convient. Viens nous donner, Papa, la compréhension qui te convient, afin que nous puissions demeurer dans ta parole. Et alors, tout ce que nous te demanderons, nous avons foi qu'on, Papa, tu nous l'accorderas, Seigneur, au nom de Jésus. Père, donne-nous, Seigneur, vraiment d'être sensible, Papa, à ta parole. Quand tu nous parles, Papa, que nous puissions discerner que c'est là notre Père qui est en train de nous parler, que la grosse voix, et que avec empressement, nous puissions agir. Père, que nous nous souvenons, Père, de qui tu es, Seigneur. Comment tu as marché, comment tes disciples ont marché, et que nous puissions suivre ces traces. Père, ce n'est pas facile. Aide-nous vraiment à abandonner, Seigneur, tout ce qui nous retient encore, Seigneur, par notre ancienne vie, vraiment à considérer comment ces paroles, ces exhortations, ces enseignements que tu nous donnes, Papa, que cela produise du fruit en nous, Papa, que cela nous donne vraiment de devenir meilleur, que nous ne recevons pas et qu'on ne voit, que nous recevons et qu'on voit vraiment le changement véritable en nous. Papa, nous voulons vraiment être bâtis dans ces églises-là, dans ces enseignements que tu nous donnes, vraiment fondés dans les Écritures, Seigneur. Aide-nous, tiens-nous par la main, Seigneur, et conduis-nous. Vraiment, apprends-nous, Seigneur, à nous abandonner complètement. Seigneur, que rien pour nous, mais tout soit pour ta gloire. Vraiment, viens agir. Viens encore nous donner la force et le courage. Viens encore nous donner d'avoir les yeux rivés vers toi. Vers l'œuvre, Papa, que tu as accomplie merveilleuse sur le monde de Bouddha pour le rachat de nos âmes. Et nous donner sûrement, Papa, de parvenir jusqu'au bout. Père, fortifie les genoux de l'ensemble. Papa, donne au Père assoiffé vraiment d'être abreuvé de cette parole qui nous donnera de devenir meilleur. Béni soit le nom de l'Éternel. Béni sois-tu pour ta grandeur, pour ta fidélité, pour ton amour. Papa, pour ce que tu nous rassembles encore pour recevoir de toi. N'est-ce pas merveilleux? Ce que tu fais est grand. Parce que tu veux encore, Seigneur, vraiment nous dépouiller de tout ce qui ne te glorifie pas et nous donner vraiment d'aller léger. Papa, de rester sur ce chemin étroit parce que tu dis qu'il est resserré, Seigneur. Donne-nous vraiment la taille, la dimension qu'il faut pour pouvoir avancer sur ce chemin étroit. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton amour envers nos âmes. Père, conduis tout par la puissance et l'autorité de ton Esprit Saint, Papa, qui plaise à toi, Seigneur, vraiment de nous voir de rassembler en ce lieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Excusez-moi mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Juste au moment où je suis entré, il y a une pensée que j'ai eue dans le cœur par rapport à chacun d'entre nous. Lisons un peu dans la parole du Seigneur, dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Verset 12. Matthieu 7, verset 12. Il est écrit que tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites de même. Pour eux, c'est la loi et les prophètes. Ça résume le plus grand commandement que le Seigneur a donné, qui est: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et il dit, voilà le second qui est semblable au premier. Pourquoi il dit que le second est semblable au premier? Parce que, en fait, pour aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, en réalité, la Bible dit que personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Donc, en fait, pour aimer, pour montrer que tu aimes Dieu, en fait, tu dois le manifester à ton prochain que tu vois. C'est comme ça que tu montres que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas. En réalité, c'est ça. Donc, lorsque nous regardons, c'est écrit dans 1 Jean chapitre 4, ce qu'on est en train de dire là. 1 Jean chapitre 4. Je
crois que c'est vers le verset 20. Voilà, c'est ça. 1 Jean chapitre 4, verset 20. Il est dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, non, ce n'est pas ça le verset. Ah oui, non, c'est bien ça. Donc, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Celui, la partie qui nous intéresse est ensuite là. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. C'est-à-dire que, en fait, tu ne peux pas dire j'aime Dieu, je ne vois pas Dieu, mais je l'aime quand même. Et mon prochain que je vois à côté de moi, je ne lui manifeste pas de l'amour. Ah, ce n'est pas vrai, c'est qu'on se ment soi-même. Donc, c'est au travers du prochain que je vois, dont les besoins sont clairs devant moi, à qui je manifeste l'amour. En fait, ça, je révèle en réalité que j'aime Dieu, comme le passage que le frère a cité dans le forum de Matthieu. Matthieu chapitre 25, où le Seigneur fait le tri entre les brebis et les boucs, et ensuite les brebis vont demander « Quand avons-nous vu, Seigneur, et avons-nous assisté ?» ainsi de suite. Et le Seigneur va dire « À chaque fois que vous avez fait ça à un de mes enfants, en réalité, c'est à moi que vous le faisiez. » Donc, à chaque fois que tu as fait ça à ton prochain, que tu vois, en réalité, c'est à Dieu que tu le fais. Donc, c'est de cette manière-là qu'on manifeste l'amour. C'est par rapport à mon prochain que je vois devant moi, la sensibilité aux besoins du prochain qui est à côté de moi que je vois. C'est de cette manière-là, en fait, que je montre que j'aime Dieu. Et ça, ça montre vraiment que dans mon cœur, l'amour véritable de Dieu grandit. Sinon, en fait, on va se remplir l'esprit de versets, mais la vie même ne coule pas. Parce que, en fait, plus les versets sont en nous, plus l'amour doit se manifester, plus la vie en fait va se manifester. C'est pour ça que Jésus disait mes paroles sont esprit et vie. Donc si on a des paroles du Seigneur sans la vie, ça veut dire qu'en réalité on n'a pas ces paroles là elles sont juste théoriques, mais vu qu'elles ne produisent pas la vie en nous, ça veut dire que ces paroles là en réalité on ne les a pas. Parce que le Seigneur considère uniquement les paroles qu'on a et dont nous mettons en pratique. Donc, les paroles qui produisent réellement la vie en nous. Donc, je crois dans Matthieu 15 aussi, le Seigneur va dire quelque chose dans Matthieu chapitre 15. Là, il parle de porter du fruit, ainsi de suite. Alors, verset 18, frère. Alors, non, le verset, voilà, c'est le verset 12, en fait, que je cherchais, qui parle de la manifestation de l'amour de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur demande de nous aimer les uns les autres, non pas comme le monde aime. Parce que le monde a une manière, a quelque chose qu'il appelle l'amour, mais qui n'est pas l'amour de Dieu. Donc, je t'aime si tu m'aimes, je te donne si tu me donnes, je te fais quelque chose si tu m'as fait la même chose. Donc, c'est ça que le monde appelle l'amour, mais pour Dieu, ça, ce n'est pas l'amour. Donc, ici, là, il dit au verset 12, dans Jean 15, verset 12, « Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, pas n'importe comment. C'est comme je vous ai aimé. » Donc, on a un modèle d'amour qu'on doit reproduire. C'est comme le Seigneur Jésus nous a aimés. C'est de cette manière-là. Et il va expliquer, en fait, jusqu'où ça va. Il dit, il n'y a pour personne de plus grand amour.
Donc, il nous amène dans la dimension d'amour que le Seigneur a manifesté pour nous et qu'il nous demande de reproduire. C'est pour ça qu'il explique ici. Il dit, il n'y a pour personne de plus grand amour que donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc, il donne sa vie pour ses amis. Et c'est de cette manière-là, en fait, qu'il nous demande d'aimer. Aimer comme Jésus-Christ, c'est donner sa vie pour les autres. On ne va peut-être pas aller mourir à la croix pour montrer à quelqu'un qu'on l'aime. Le Seigneur ne nous demandera pas d'aller mourir physiquement à la croix. Mais par contre, il y a des choses qu'on va faire, on va renoncer à nous-mêmes pour pouvoir manifester de l'amour aux autres. Donc, c'est une croix que nous portons pour manifester l'amour, en fait, aux autres. Donc, il y a un renoncement qu'on va devoir avoir pour que l'autre en bénéficie. C'est ça le véritable amour. L'amour du Seigneur, c'est je m'oublie moi-même, comme il dit, de ne pas considérer dans Philippiens, ne pas considérer seulement mes intérêts, mais considérer aussi celui de l'autre. Sinon, je reste encore égocentrique. Et ça, en fait, je ne suis pas encore entré dans la dimension de l'amour que le Seigneur aime. Enfin, qu'il recommande. C'est ça. C'est-à-dire, le Seigneur nous dit dans l'Épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, parlant des Thessaloniciens, il dit, on a entendu parler de votre amour qui a retenti jusque en Achaïe, là-bas. Vous n'avez pas besoin qu'on vous en enseigne de plus progresser. C'est ce qu'il dit. Donc, en fait, l'amour, quand on commence à le dire, ça perd son sens. C'est-à-dire, si je dis à Franck qu'il faut que tu visites Sœur Bernadette et que tu le fais, ça, c'est bien, mais ça aurait été mieux que tu le fasses spontanément. Je ne sais pas si tu vois. Ouais. Voilà, ça perd son sens quand on le dit. Mais quand on discerne vraiment, on voit, ah, là, il y a un besoin et on peut voir ce besoin-là. Là, ça montre vraiment qu'on est entré dans cet amour où on discerne les besoins des autres. Je vais vous dire quelque chose qui m'a frappé quand je suis entré ici. Quand je nous regarde, à chaque fois que j'arrive, c'est la sœur Aïcha qui avait les enfants, ça ne va pas. Si on ne remarque pas ça, c'est que ça ne va pas, mes frères et sœurs. Il faut qu'on se dise la vérité, ça ne va pas. Il faut qu'on arrive à tourner. C'est pour ça que je prends le verset de dire, ce que tu veux que l'autre fasse pour toi, il faut le faire avant. C'est-à-dire que la même manière que tu es ici et que tu écoutes les enseignements, c'est si tu donnes vraiment ta vie pour ton frère, tu vas te dire que ton frère a besoin de ça aussi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre sa place pendant un moment. Je lui dis, ma sœur, vas-y. Mais si on me dit d'y aller et que je vais, ça, ce n'est pas l'amour, ça, en fait. Ça, c'est les commandements d'homme. On me dit, bon, vas-y. Ben, je le fais parce que ben, on m'a dit d'aller. Mais quand je discerne moi-même, je reste en moi-même, je regarde. Je dis non, ça, ce n'est pas normal. Là où je suis ici, la même joie que j'ai de recevoir un enseignement, d'écouter un témoignage, de partager ma soeur qui est là-bas dedans, elle doit avoir ce que ça me fait là, ça va lui faire la même chose aussi. Donc, comme moi, j'apprécie bien de rester là et d'écouter ça, ma sœur aussi peut apprécier la même chose. Ma sœur, vas-y, laisse, même si tu aimes, vas-y aussi écouter pour que ça te fasse du bien, comme ça me fait aussi du bien. Ça, c'est le vrai amour. Quand tu commences à te mettre à la place de l'autre, quand tu commences vraiment à renoncer à ce à quoi tu as droit, pour que l'autre en bénéficie, sans qu'on ne te le dise. Quand ça commence à venir naturellement comme ça en toi, là tu commences à entrer déjà dans l'amour de Jésus-Christ. Parce que si le Seigneur nous avait dit aimez-vous les uns les autres, et il s'était arrêté là, oui, bon, il y a plusieurs façons d'aimer. On ne peut, quand quelqu'un va par exemple dire moi je t'aime, mais je t'aime à ma façon, ça ce n'est pas biblique ça. Il y a une façon d'aimer qui est celle comme Jésus nous a aimé. Ce n'est pas moi, je t'aime à ma façon. Il n'y a pas une façon d'aimer à sa façon. La seule façon d'aimer, c'est comme Jésus a aimé lui-même. Et il a aimé en renonçant. Si mon amour ne me coûte rien du tout, si je n'ai pas renoncé, la Bible nous dit dans Philippiens, il a renoncé à la gloire céleste. Il n'a pas vu comme une proie à arracher d'être l'égal de Dieu, mais il est descendu et il est mort jusqu'à la mort de la croix pour les impies que nous étions. Donc, il a renoncé à ce qu'il avait. Notre salut
Ça ne change rien à la gloire de Jésus-Christ. Mais il a renoncé à cette gloire-là pour venir prendre notre place et mourir. Donc maintenant que je suis sauvé, je n'ai plus rien à faire pour être sauvé puisque je le suis déjà. Donc maintenant, en fait, cet amour-là que Jésus a manifesté pour moi, il me l'a donné également, dont j'ai reçu son cœur. Maintenant, je regarde autour de moi, quels sont les besoins? Je dois mourir pour qui d'autre? Voilà, ben, je vais me sacrifier et ainsi de suite. Et là, j'entre vraiment dans la véritable volonté de Dieu. Parce que je commence réellement à discerner, comme le Père nous dit dans la parole, qu'avant que nous ouvrons notre bouche pour dire quoi que ce soit, il connaît nos besoins. Comment il le connaît? C'est vrai qu'il est Dieu, mais comment il connaît ça? C'est parce qu'il l'observe, c'est parce qu'il essaye de voir, c'est parce qu'il est sensible à ces besoins-là. Et c'est ça aussi qu'il nous demande de manifester. D'être sensible aux besoins des autres sans que l'autre n'exprime forcément ce besoin-là. Ça, c'est le véritable amour. Je vois, je sens que telle personne peut avoir besoin de soutien. Ah, je vais envoyer un message. Juste le message, si je crois que ça va faire du bien. Je n'attends pas que la personne m'envoie un message pour me donner de ses nouvelles. Tant mieux s'il le fait. Gloire à Dieu. Mais juste, je suis en train de prier. Ah, il y a Sœur Solange qui me vient à l'esprit, Seigneur, ainsi de suite. Bon, elle ne sait pas que je suis en train de prier, donc je vais lui manifester cet amour qui devient pratique. Quelle est une manifestation palpable de cet amour? Donc, après avoir prié pour elle, je vais envoyer un message. Ma soeur, comment tu vas? Ainsi de suite, que Dieu te fortifie. Ainsi, juste un petit message comme ça, ça va fortifier. Ça. Donc, soyons sensibles. Sinon, en fait, on va prier, mais on prie. On prime, on reçoit la parole, mais il n'y a pas la transformation du cœur. Le but du Seigneur, c'est que le cœur soit transformé. C'est que le cœur soit changé. Si en fait, on vient ici, on donne des directives, on dit voilà, on va faire ça. Demain, on va faire ça, on va cotiser pour maman, nana. Après, on va cotiser pour... En fait, ça, ce sont les règles. Ce sont des règles. C'est dommage même qu'on puisse le dire. En fait, ça doit venir de manière spontanée. C'est-à-dire que là, on a reçu l'amour du Père et on le manifeste spontanément. C'est vrai qu'à un moment donné, oui, il faut quand même qu'on organise quelque chose qui soit ensemble pour que ça ait vraiment le poids, l'effet de l'Église. Mais en fait, c'est quelque chose qui doit se faire spontanément. C'est parce que en priant pour l'un, pour l'autre, je me dis, ah, en priant pour telle personne... Je sens que cette personne-là, elle est isolée comme ça, elle doit avoir des besoins. C'est quoi son besoin, là, maintenant? J'appelle la personne, en discutant, je sonde, je gratte un peu, et après, paf, le Seigneur me met à cœur, allez, hop, je vais aller rendre visite à maman, nana, après, je vais, je sais pas à quel supermarché, je fais plein de courses, je viens dépose, spontanément, comme ça, sans, si on me dit de le faire et que je le fais, ça ne... En fait, ça, déjà, un, tu vas donner de ton temps, on sait combien... Le temps est important pour nous ici. C'est ça quand il dit donner sa vie pour les autres. Ce n'est pas qu'on va mourir à la croix, mais le temps que tu vas prendre pour le faire, ça c'est... En fait, tu vas renoncer à quelque chose que tu avais à faire pour disposer ce temps-là pour la personne. Première chose. Ensuite, tu vas peut-être te déplacer dans un magasin pour aller faire les courses, alors que tu avais peut-être en urgence de faire tes propres courses, mais tu vas mettre tes propres courses là. En second lieu, à la fois l'argent que tu devais utiliser pour ça, tout ça, tu vas mettre ça en arrière, tu vas laisser ça entre les mains de Dieu et tu vas aller faire des courses comme ça, un à un, tu vas prendre les objets. Et ça, parce que tu as pensé à la personne. C'est ça, c'est l'amour qui pousse à ça. Parce que tu as pensé à la personne, tu vas manifester quelque chose de physique pour montrer en ceci, Dieu prouve son amour. Dieu n'est pas resté au ciel et puis il a dit, allez, je vous aime. Et puis voilà. Non. Romains chapitre 5, verset 8. En ceci, Dieu prouve son amour. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc Dieu prouve son amour. Il nous aime. Ça ne suffit pas de dire, mais il le manifeste concrètement. Il pose des actes. Il nous donne ce qu'il a de plus cher. Nous, on n'est pas encore au stade de donner ce qu'on a de plus cher. Ben déjà, le temps, c'est déjà quelque chose qui nous coûte quand même. Ben déjà, donner son temps, prendre du temps pour aller rendre visite à un frère, à une soeur, pour appeler
prendre des nouvelles, aller faire les courses pour l'un pour l'autre. Ce soit, parce que souvent, le frère nous avait prêché ici une fois que Dieu ne nous donne pas des commandements qui sont au ciel où on doit monter au ciel pour ramener ses corps. Ce sont des choses simples. Hein. Dieu, il n'attend pas des choses extraordinaires, qu'on soit des super prophètes. Ainsi. Il attend des choses palpables, simples. J'ai reçu l'Esprit de Dieu, j'ai l'amour de Dieu en moi, je regarde en mon prochain, il a besoin de quoi? Qu'est-ce que je peux faire? Des choses simples. Si déjà ça c'est vrai dans notre vie de manière pratique, je vous assure que les dons de Dieu vont couler de manière naturelle. Parce que Dieu accorde ces dons-là afin de pouvoir les mettre à la disposition des autres. Mais c'est déjà le simple, ce qui est à ma disposition, qui est simple pour moi. Si je n'arrive pas déjà à le faire, ce n'est pas quand je serai rempli des dons de Dieu que je vais même devenir orgueilleux. C'est, puisque les dons que Dieu accorde à son église, c'est pour l'édification des autres, c'est pour les saints. Donc, si je ne suis pas déjà sensible dans ce qui est matériel, ce n'est pas dans ce qui est spirituel dont je serai sensible. Pas du tout. Si déjà dans les biens éphémères de ce monde, si je ne suis pas sensible aux besoins de mon frère, ce ne sont pas à ces besoins spirituels dont je serai plus sensible. Parce que Dieu nous teste d'abord sur les petites choses. Les petites choses visibles, comme on nous dit, comme la parole de Dieu nous dit, tu as été fidèle dans les plus petites choses, je te donnerai des plus grandes. Les besoins, les dons spirituels sont largement au-dessus des dons, enfin des dons naturels, physiques, dans le domaine physique. Donc il va déjà regarder dans le domaine physique la manière dont je me comporte avec les biens éphémères, les biens de ce monde-ci qui ne valent rien du tout, qui vont rester sur la terre. Il va voir déjà comment j'utilise. Ça, le temps c'est un don, le temps que j'ai c'est un don, je sais pas moi, les biens matériels que j'ai c'est un don, ainsi de suite. Donc le Seigneur va voir déjà comment à l'intérieur de mon cœur la manière dont j'aspire à utiliser ces dons là, à partager ces dons là avec ceux qui sont autour de moi. Et là maintenant le Seigneur va dire bon, ok, je vois que lui là, il est sensible aux besoins des autres. Donc, si je lui accorde des dons spirituels, il va revenir dans ma présence vraiment pour prier pour que je lui ouvre les yeux sur celui qui a besoin de ça. Et il va vraiment l'utiliser pour les autres. Mais si déjà il n'est pas sensible dans les choses naturelles, je vais le remplir de dons et il va gonfler comme ça. Il va dire, ah, moi j'ai tous les dons. Et puis il va rester avec ça et ça ne servira à rien du tout. Pourtant, moi je les accorde, j'accorde ces dons là pour mon église, parce qu'il y a des besoins. C'est pour ça que le Seigneur accorde des dons. Il accorde des dons parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de ça. Donc, sinon, on va rester là. Ah, il n'y a pas de dons dans l'église. Ah, depuis on est là, il n'y a pas de dons. Mais déjà, les dons matériels, physiques que nous avons là, qu'est-ce que nous en faisons? Rien du tout. Qu'est-ce que nous en faisons? Ben, si on ne les utilise pas bien, Dieu n'a aucune raison de nous donner les dons qui sont spirituels. Et s'il le fait, ça ne serait même pas à notre avantage qu'il fasse ça. Parce que, en fait, c'est qu'il y a d'important, les dons spirituels qu'il va nous accorder, ça va venir couvrir, ça va venir masquer notre misère, la misère de la manifestation de l'amour, ça va masquer et on va se dire, ah, comme Dieu nous a accordé des dons spirituels, ça veut dire qu'il approuve nos voies, donc nous sommes... Dans la volonté du Seigneur, l'église de Corinthe, ils avaient tellement de défauts, on voit, et Dieu leur avait accordé tous les dons. Mais on voit que ces dons-là, comme il n'y avait pas le véritable amour, comme il n'y avait pas la base de ce qu'il faut, ils ont mal utilisé ces dons-là. Très, très mal. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul était obligé de recadrer. Le Seigneur leur a accordé ça parce que, bon, ils se sont donnés à Dieu. Dieu voulait leur montrer vraiment sa puissance, qu'il existe vraiment. Donc, il leur a accordé les dons. Mais après, maintenant, quand on voit la manière dont ils utilisent ces dons-là, ce n'est pas du tout à la gloire de Dieu. Donc, il fallait que l'apôtre revienne pour canaliser, pour montrer comment est-ce qu'on doit utiliser ces dons-là à la gloire du Seigneur. Est-ce que je me trompe dans ce que je suis en train de dire, concrètement? Quand on se voit, est-ce que c'est normal que notre sœur soit toujours là? Mes sœurs, est-ce que c'est normal? C'est un manque d'amour, hein. Ce n'est pas plus que ça, c'est un manque d'amour. C'est ça le vrai mot biblique, c'est un manque d'amour, en fait. C'est un manque d'amour. Si on le voit et qu'on le dit, en fait, ça veut dire que c'est... Comment dire? C'est très récurrent.
en fait. Et ça, c'est pas... C'est pas... on ne devrait pas faire mention de ça dans l'Église, normalement. Parce que si mon frère que je vois ici, là, je ne lui manifeste pas l'amour, ce n'est pas en sortant d'ici que je vais aller voir les païens là-bas et leur manifester l'amour. Dieu nous entraîne d'abord ici, là. Ensuite, quand on est entraîné... Parce que là, c'est plus facile d'aimer ceux qui connaissent le Seigneur. Hein, c'est beaucoup plus facile. Aller voir un païen maintenant et lui manifester l'amour, il ne va même pas te dire merci. Ça, c'est beaucoup plus difficile. Donc, si déjà tu n'as pas pris l'habitude de manifester l'amour à celui qui te manifeste aussi l'amour, ça va être beaucoup plus compliqué d'aller manifester l'amour à quelqu'un qui va même... Quand tu vas lui manifester l'amour, il va te mettre les bâtons dans les roues. Quand le Seigneur dit « Aimez vos ennemis », donc ça va être beaucoup plus compliqué. Donc saisissons les occasions que nous avons de manifester l'amour déjà aux saints, aux enfants de Dieu, là où c'est facile de manifester l'amour. C'est moi, je pense que c'est beaucoup plus facile de manifester l'amour aux enfants de Dieu que de manifester l'amour à l'extérieur. Donc entraînons-nous déjà dans le corps de Christ et après on sera bien formé pour pouvoir aller manifester l'amour à ceux qui sont durs. Amen. J'aimerais entendre les sœurs là-dessus. Sur ce que je viens de dire. Est-ce que vous avez remarqué ça? Oui. Ah, vous avez remarqué? Ben, gloire à Dieu. Parce que la première chose déjà, si on n'a pas remarqué ça, c'est que là, c'est très grave. La première chose, un, c'est de remarquer. Deux, c'est de dire, ce n'est pas normal. Il y a des versets qu'on lit comme ça, on passe vite dessus, on se dit, ah, ça doit s'adresser vraiment à des personnes tellement loin du Seigneur, endurcies. Quand le Seigneur dit, par exemple, regardons un peu, hein, excusez-moi, je vais prendre un verset qui va choquer. Mais on va voir comment l'évangile, en fait, est très simple. Mais si on fait fi des petits détails comme ça, on risque de passer à côté des choses simples que le Seigneur attend de nous, parce qu'on cherche des choses peut-être très spirituelles, très, très, comment dire, qui montrent vraiment qu'on est, voilà, qu'on est à un niveau spirituel très élevé, alors que le Seigneur, il nous montre des petites choses là, qui sont là comme ça, et regardons un peu 1 Jean chapitre 3. Je ne sais pas combien de fois on a déjà lu ce verset-ci. 1 Jean chapitre 3, verset 9 à 10. C'est... On lit ça, on relit, on lit ce verset. Mais on va voir comment les choses sont simples et on peut quand même tomber dedans sans s'en rendre compte. Bon. Quiconque est né de Dieu, 1 Jean chapitre 3, verset 9. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché, donc il ne pratique pas le péché de manière volontaire, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pratiquer le péché puisqu'il est né de Dieu. Quand on dit ça dans l'église de Jésus, tout le monde dit Amen, parce que tout le monde se sent concerné là-dedans. Vrai. Maintenant, lisons la suite. Il dit, c'est par là que se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Je sais que nous ne sommes pas les enfants du diable. Regardons maintenant ce qu'il dit. Il dit, quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. C'est ce qu'il dit. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non plus celui qui n'aime pas son frère. On met ça au même niveau, pratiquer la justice et ce qui n'est pas de Dieu. Donc, ce qui est juste, c'est que chacune d'entre nous passe là-bas aussi. Ça, c'est ce qui est juste. Mais si c'est seulement la même personne qui le fait et qu'on laisse comme ça, ça, c'est très injuste, ça, en fait. Et nous cautionnons l'injustice. Si on voit, on ne dit rien, ça veut dire que nous pratiquons l'injustice. Donc, même dans le monde, quand il y a une tâche à faire qui incombe à tout le monde, comment on fait? On partage cette tâche-là entre tous ceux qui sont susceptibles de la faire. S'il faut, je ne sais pas moi, 10 heures de temps pour faire cette tâche-là, on répartit. Toi, tu as 2 heures, l'autre a 1 heure, l'autre ainsi de suite. On répartit de manière, on parle toujours d'équité équitable. On répartit ça de manière équitable.
Et ça, c'est la justice. Donc, si nous voyons quelque chose qui est injuste et que nous laissons faire, attention, il dit que nous ne sommes pas de Dieu. Hein. Ça va jusqu'à ce point-là. Si on voit que, bon, ah, c'est telle personne qui balaie toujours, c'est bien que cette personne-là balaie ça comme ça, et puis on laisse ça comme ça, alors que c'est quelque chose que je suis susceptible de pouvoir faire aussi pour soulager la personne, ça veut dire que je cautionne l'injustice. Et ça ne vient pas de Dieu. Et il met ça directement avec le fait d'aimer son frère. C'est un manque d'amour, en fait, de procéder, de laisser qu'il en soit ici. Et nous, enfants de Dieu, on ne doit pas laisser le manque d'amour se manifester. On ne doit pas laisser l'injustice se manifester. Ce sont des choses très simples, vraiment très très basiques. Et Dieu nous attend d'abord d'être sensible, attentif sur ces petits détails. Après, Dieu va venir ajouter un petit peu, et ensuite maintenant passer dans le domaine spirituel. Parce que dans les choses naturelles, on a déjà bien compris comment l'amour se manifeste. Maintenant, on avance plus loin dans le domaine spirituel. Sinon, on va faire un gâchis des dons spirituels que Dieu nous accorde. Et ça, on le voit dans le corps de Christ. On voit, il y en a qui ont les dons ainsi de suite, qui ont la parole, tout ça. Mais dans le béaba, cette parole-là n'est pas vie en eux. Ils ont peut-être la parole. Dieu dit ça. Ce n'est pas faux forcément. Mais cette parole-là n'est pas vie en eux. Et ça, c'est un problème. Le Seigneur dit que ces paroles sont esprit et vie. Donc normalement, si la parole de Dieu arrive en nous, elle doit produire la vie en même temps. Si elle ne produit pas la vie, c'est qu'elle n'est pas encore arrivée en nous. On l'a entendu peut-être, mais elle n'est pas encore descendue dans le cœur pour transformer véritablement le cœur et produire ce que Dieu vise. Puisqu'il dit dans Ésaïe 55 que sa parole ne sort pas et retourne à lui sans avoir accompli son effet. Et l'effet que le Seigneur escompte lorsqu'il envoie sa parole, c'est que ça produise la vie. Donc si ça ne produit pas la vie, c'est que ça n'a pas encore accompli la volonté de Dieu par rapport à cette parole-là qui est sortie. Amen. Je laisse la parole aux sœurs. Souvent nous parlons des serviteurs, des servantes. En fait, aujourd'hui, on est en train de vouloir comprendre que servir Dieu, c'est annoncer l'évangile ou être au service de Dieu, c'est juste prendre la Bible et puis venir prêcher. Et car en fait, quand on voit déjà des servantes, comme en prenant l'exemple de Tabitha, Dorcas, mais on ne nous dit pas qu'elle prêchait la parole. On ne dit pas qu'elle était devant toute une troupe. Mais rien que par ce qu'elle faisait dans l'église, elle faisait beaucoup de monde, elle faisait beaucoup de choses. Et cela, il est, en fait, on peut le lire dans Actes, je crois, 9:36. Il dit, mais cette femme-là, par ses actions, par ce qu'elle faisait, elle avait pris une très grande place dans l'église et qu'elle a eu même la grâce qu'elle soit même ressuscitée après la mort. Donc, servir Dieu au jour d'aujourd'hui, c'est ce qui nous emmène beaucoup maintenant dans les églises. Hein. On dit que non, il est serviteur et les servantes, il faut avoir une église. Non. Et car c'est dans les petites choses de foi que nous faisons dans les églises, dans l'église de Dieu, parce que c'est la maison de notre Père. Quand nous voyons les ustensiles de cuisine, il y a le couteau, il y a la cuillère, il y a la fourchette, mais chacun a son rôle à jouer. Mais ils sont des ustensiles qui servent la maison. Donc, servir Dieu aussi, ce n'est pas seulement être vraiment devant tout un peuple prêcher l'évangile. Donc, pour les mamans, comme pour nous aussi les papas, et c'est vraiment pas pour les frères et les sœurs, je dirais. Ce n'est pas forcément vraiment annoncer la parole de Dieu, prêcher l'évangile, que nous serons serviteurs ou servantes. Donc, dans les moindres choses, dans la maison de Dieu,
ça nous donne une place aussi et que Dieu approuve cela et il voit du fond de notre cœur. Une fois une question a été posée, il dit, mais qui est serviteur et qui est servante? Mais si tu vous posais la question, serviteur ou servante, de qui d'abord? Si ce jour-là, il y a une maison dans laquelle le peuple de Dieu ou les enfants de Dieu se retrouvent, et que toi, chaque matin, quand on vient nous dire, mon frère, tu te lèves, on ne t'appelle pas, on n'a même pas mis une fiche pour dire que tel jour, c'est la sœur un tel ou c'est le frère un tel qui doit le faire, mais tu te lèves de beau matin, tu dis, non, la maison de Dieu, là où on va se retrouver, il faut que j'aille donner un coup de balai, mais tu es en train de servir Dieu déjà. Amen. Amen. Donc, rien que de l'eau, tu vois les frères et les sœurs qui sont là, bon, il fait chaud, il y a de l'eau, tu donnes de l'eau aux gens à boire. Tu es en train de servir le Seigneur, parce que nous nous sommes rassemblés pour un seul intérêt, glorifier le Seigneur, l'honorer, et que le geste que tu fais pour la gloire, la manifestation de l'Esprit de Dieu qui est au milieu de nous, tu es déjà servi le Dieu. Donc, c'est souvent les dominations, les dénominations que nous cherchons devant Dieu ne servent à rien. Mais c'est l'acte que nous posons qui plaît à Dieu. Qu'on vient de dire le frère, nous ne devons pas plaire aux hommes. Si nous ne plaisons pas déjà à Dieu, tout ce que nous allons faire pour les hommes, c'est nul devant Dieu. Parce que servir Dieu, c'est vraiment du tout notre cœur. Vraiment, en tout cas, comme a dit le frère, c'est de soi-même. Voilà pourquoi même la parole de Dieu dit ce que la main droite donne, il ne faut pas que la main gauche sache. Donc, tu ne dois pas d'abord t'annoncer pour dire que je veux faire, pour pouvoir le faire. Encore le fait que tu annules déjà le bienfait que tu veux faire. Donc il faut que l'amour soit vraiment accompagné par aussi des actions, des actes pour Dieu, pour voir exactement que voilà, tu es en train de plaire à Dieu. Et dans la communion fraternelle telle que nous sommes rassemblés, vraiment en tout cas ça doit se manifester. Amen. C'est dire qu'il ne faut pas que quand nous attendions, vraiment je bénis le Seigneur. Tout à l'heure il y a beaucoup de choses aussi qui me venaient que le frère a dit. J'ai dit ben oui, vraiment, le Saint-Esprit, il parle que vraiment que ça doit être pragmatique en nous. Que un jour, tu vas te lever, tu dis que bon, je dois aller voir le frère un tel, mais ma soeur, tu fais quoi? Bon, tel jour, bon, on va aller. Donc, c'est une surprise. Et que la personne qui vous reçoit, même si vraiment elle avait un coup de fièvre, vous voyez que rien que par votre visite et la prière que vous allez apporter, ça libère. Amen. Donc, si vraiment, en tout cas, comme j'ai dit, dès que le frère le disait, j'ai dit, mais nous, on l'appelait Tabitha. Elle est en train de prendre sa grâce. Ben, si cette grâce-là, chacun aussi veut la prendre, mais ce n'est pas pour dire que non, bon, mais ma soeur, bon, toi, tu as. Non. Vraiment, qu'il faut que ça vienne du cœur. Le dimanche surpassé, quand le frère nous prêchait, il y avait quelque chose vraiment qu'il avait dit, et qu'il avait dit, qui venait dans mon cœur, qui disait, vous savez, bien-aimé, quand on prie et quand on confesse ou bien on est en train de soumettre un sujet de prière à Dieu, bien aimé, que ce ne soit pas du bout des lèvres. La parole de Dieu nous dit que le Dieu sonde les reins et les cœurs. Même si tu vas lui dire, bon, je vais te demander, je vais dire, bon, ma soeur, bon, pardonne-moi. Mais c'est dans ton cœur, parce que quand tu sors cette parole, c'est dans l'abondance du cœur, de pardon. Donc, quand ça sort de ton cœur et que la bouche le sort, alors cela approuve que vraiment ta volonté de vouloir abandonner ou de faire. Donc il faut que ça soit du cœur, il faut que nous le vivions, nous l'expérimentons spirituellement. C'est pas ce que nous posons physiquement, mais ce qui est spirituel, parce que notre combat est d'abord spirituel. Et qu'est-ce qui s'afflète maintenant dans le physique? Donc nous-mêmes, dans nos cœurs, il faut que nous résolvons vraiment le bienfait. Il faut que nous témoignions cet amour. Et quand nous allons dans des actions, et voilà, Dieu approuve. Donc vraiment, je bénis le Seigneur, comme le frère a dit, ce que nous entendons, mais faisons l'offre vraiment de bien, du fond du cœur, et que c'est là où la parole de Dieu, c'est pas ce qui entre, mais c'est ce qui sort, qui souille. Mais c'est pas pour souiller, ça veut dire que ce qui est dans ton cœur, qui sort, et que c'est parti de ton cœur, c'est que ça va produire de fruit. Donc, vraiment, vivons-le, mettons-le vraiment, c'est-à-dire que ne le faisons pas comme il a dit qu'il faut le faire, non. Dans ce que je disais la dernière fois, c'est pas parce qu'on t'a demandé d'aller demander pardon, mais tu dois aussi prier. Tu dis, Seigneur, je bénis ton nom parce qu'aujourd'hui ta parole m'a touché et je résolus de tout abandonner. Et quand tu sors, c'est dit qu'en toi-même le poids va sortir, parce que ce qui est en toi, tu as. Mais c'est pas parce que tu vas le faire, sinon ça reviendra toujours. C'est pas parti. Donc, mais quand ça part du cœur que tu dis que je vais le faire, vraiment Dieu merci, mais tu te sentiras léger et tout ce que tu vas faire, ça sera accompagné de bénédiction, ça sera accompagné de grâce
Et voilà. Vraiment, que le Seigneur nous bénisse. Vraiment, sur ce que vient de dire le frère, que ça ne soit pas parce qu'il a dit qu'on va le faire. Non. Mais résolvons, prenons vraiment des bonnes habitudes. C'est-à-dire que il n'a pas dit ce qui vient de lui-même. C'est ce qui est de la parole de Dieu qu'il nous transmet. Mais quand nous le recevons, c'est qu'on a reçu Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On n'a pas reçu ce qu'a dit le frère, mais on a reçu Dieu. Amen. Et que si on l'a reçu, alors que Dieu va travailler en nous. C'est là où il dit dans Apocalypse 3:20, il dit, je frappe à ta porte. Bien-aimé, ce n'est pas les portes que nous louons ici. Ce n'est pas des portes que nous construisons, des maisons que nous construisons. Mais c'est la porte de notre corps qui est le cœur. Donc il frappe. Si tu l'ouvres, lui, il entre. Et s'il entre, il va souper toi et lui. Donc Dieu entre dans nos vies, dans notre corps. Donc c'est à nous de le faire entrer. Lui, il nous présente Dieu. Mais est-ce que toi, nous qui recevons ce Dieu-là, nous le recevons dans notre cœur ou seulement parce que nous avons écouté et qu'il est resté dans notre tête, on y pense? Non. Mais si lui qui nous présente Dieu, qui nous parle de Dieu et que nous l'avons accepté, nous l'avons mis dans notre corps, dans notre cœur plutôt, la porte est largement ouverte, Dieu est entré en nous et les choses s'accomplissent. Donc vraiment, si nous le recevons, mettons-nous en pratique ce dont nous avons reçu le Seigneur et que Dieu fait. Amen. Ce que le fait dit est très important. Et ça, ça va se manifester dans la pratique. De quelle manière? Quand tu reçois quelque chose d'un homme, tu vas obéir pendant un temps. Et après, tu vas retourner. C'est comme, par exemple, pour les habillements des femmes, on dit, est-ce que la femme doit mettre le pantalon? Est-ce que la femme doit s'habiller décemment? Si tu reçois ça d'un homme, ça va rester pendant un temps. Le temps que cet homme-là a encore de l'effet sur toi. Et une fois que le poids de cette personne-là va partir, tu vas retourner à ce que tu as vomi. Moi, j'ai vu beaucoup de sœurs comme ça. Aujourd'hui, je ne mets plus les grèves. Après, demain, on met la même chose. Ça veut dire que c'était le travail d'un homme. Ça, c'est un homme qui a fait ce travail-là. Mais si c'est l'esprit, moi, je sais les choses que j'avais dans le monde, que j'ai abandonné, ce n'est plus jamais revenu. Jamais, jamais, jamais de la vie. Et ce ne sont pas les choses qu'un homme m'a dit de faire. Ce sont des choses que j'ai reçues dans mon cœur et ce n'est jamais parti. Certains, ça fait une dizaine d'années, je ne suis plus jamais retombé là-dedans. Donc, de la même façon, ce qu'on est en train de dire là, si ça vient d'un homme, qu'on dit, ah bon, je vais quand même faire parce que frère Alain a dit, pour que ça ne se voit pas, pour ainsi de suite, je vais faire ça, ça va durer un, deux mois. Et puis dans trois mois, on va encore reparler de ça. Ça, on va encore se remettre en ordre pendant quelques semaines. Et après, dans six mois, on va encore reparler de ça. Ça montre en fait que ce n'est pas, comme il disait, ce n'est pas Dieu même. On n'a pas reçu cette parole-là comme venant de Dieu. On a reçu ça comme un ordre qu'un homme est en train de donner pour organiser quelque chose. Mais on ne le fait pas parce que notre cœur est disposé vraiment à faire la volonté de Dieu et que l'ayant fait, on ne reçoit pas ça comme étant « bon, les frères vont être contents que j'ai fait ça ». Non. Si tu le reçois, ayant une fois que tu l'as fait, tu le reçois. En fait, il y a une joie qui vient dans ton cœur parce que le cœur de Dieu est réjoui que j'ai manifesté l'amour à mon frère, à ma soeur, à ses enfants là également. Si c'est ça qui met l'amour dans ton cœur, mais en fait, ça ne va jamais partir. Parce que tu vas toujours rechercher à réjouir le cœur de Dieu. Que frère Alain soit là, que frère Georges ne soit pas là, que vous soyez toujours entre vous. Dieu, lui, il est toujours présent. Donc, tu vas toujours chercher à réjouir le cœur de Dieu. Et donc, quand tu vas aller faire ça, en fait, il y aura la joie dans ton cœur. Tu ne vas pas aller faire ça comme un fardeau. Parce que si tu vas t'asseoir là-bas, comme étant une punition, ça ne sert à rien. Et autant rester ici là, tranquillement. Il vaut mieux faire ça. Si on le prend comme un poids, comme une punition, même auprès des enfants, les enfants ne sentiront pas qu'il y a l'amour, il y a la volonté, il y a vraiment le don de soi de pouvoir, passer ce temps-là avec les enfants, les intéresser, ainsi de suite. Et même aller là-bas, ce n'est pas une garderie. Hein. Ce n'est pas une garderie là-bas. C'est quelque chose qu'on va transmettre aux enfants, quelque chose qu'on a reçu de Dieu, qu'on va transmettre aux enfants. Donc même en partant de chez moi, de la même manière que je prépare le culte, je dois prier parce que j'ai à cœur d'aller là-bas.
Je dois prier pour que Dieu dépose dans mon cœur, comme nous nous faisons là, quand nous venons se mettre ici pour prier, pour donner la parole de Dieu. Ce n'est pas qu'on vient s'asseoir en dîner. Non, c'est qu'on a passé du temps dans la prière pour dire à Dieu, Seigneur, aujourd'hui je vais au milieu de mes frères, mets une parole dans ma bouche, mets quelque chose pour que je puisse donner à mes frères. De la même manière, quand on va là-bas, c'est la même chose. Ça ne change pas. Ce sont aussi des âmes qui sont importantes pour le Seigneur. Le Seigneur dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Donc, c'est important pour lui. C'est important le travail qu'on fait pour ces enfants-là. Et ça se trouve, quand on est là-bas, Dieu est déjà en train de nous mettre à l'épreuve par rapport à ce qu'il va nous donner pour son église, les adultes. Déjà, il est déjà en train de voir le soin, l'importance qu'on donne. Parce que rien n'est petit. Quand on fait pour Dieu, ce n'est pas petit. Dès que c'est pour Dieu, même si c'est balayer la cuisine de ma soeur, comme c'est un acte que je fais pour le Seigneur, ce n'est plus petit. Là maintenant, comme je sais, même si c'est ce soeur Chantal qui va en bénéficier, mais comme je sais que je le fais pour le Seigneur Jésus-Christ, mais je me donne entièrement, mon cœur est totalement disposé, je vais au-delà même de ce que peut-être ma soeur m'a demandé de faire pour l'aider, parce que je sais que je le fais pour le Seigneur. Donc il y a le zèle, il y a l'amour, il y a... Je suis content de le faire parce que je sais que le Père dans le ciel se réjouit de ce que je suis en train de faire. Il dit, voilà mon enfant qui cherche à réjouir mon cœur. On avait partagé une fois un message de... Vous avez vu, Jésus a rencontré tellement de personnes. Mais, par exemple, la femme qui avait la perte de sang. Même les disciples de Jésus n'ont pas compris ce qui s'est passé. La femme dit, si seulement je peux toucher le pan de sa robe, je serai guérie. La femme vient, elle touche. Jésus s'arrête et dit, quelqu'un m'a touché. Même les disciples disent, mais regarde tous ceux qui sont ici, tout le monde te touche. Comment tu peux dire que quelqu'un t'a touché? Parce qu'il a touché et touché. La personne l'avait touché particulièrement. Et Jésus... il a tenu à honorer la foi de la personne là pour montrer à tout le monde visiblement ce qu'elle avait fait de manière cachée. Donc il y a des choses que tu fais pour réjouir le cœur du Seigneur dans le secret et Dieu te le rend publiquement. Amen. À un moment donné, Dieu t'élève publiquement là comme ça devant les hommes. Mais tu ne cherchais pas cette élévation, pas du tout. Tu le faisais juste de bon cœur parce que c'est agréable au cœur de Dieu. Et comme Dieu a été sensible, il voit que dans ton cœur, il n'y a pas d'intérêt. Il y a juste, je veux réjouir le cœur de mon père. Le Seigneur a amené ça au grand jour. Il dit non, non, quelqu'un m'a touché. Donc la femme vient aussi, toute craintive et tout. Et voilà maintenant que le Seigneur dispose de ça. On va voir par exemple la femme cananéenne qui est venue voir le Seigneur qui dit, ma fille est tourmentée par le démon. Le Seigneur va dire non. Je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. Elle dit, ce n'est pas grave. Même les miettes qui tombent de la table des enfants, les petits chiens peuvent venir ramasser. Même les disciples avaient dit, chasse la femme là, qu'est-ce qu'elle fait ici? Donc, même comme le Seigneur a mis sa foi à rude épreuve, il savait que la femme avait la foi, à rude épreuve, elle dit, non, même les miettes qui tombent là, je suis prêt à prendre ça. Le Seigneur va dire, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. Pourtant, les gens suivaient Jésus, mais les personnes qui le touchaient de manière particulière, Jésus mettait toujours le doigt, il exposait, il dit, voilà, quelqu'un m'a touché. Cette personne-là, il distinguait toujours, ou bien le centenier qui avait son serviteur qui était malade à la maison. Le Seigneur veut partir, il dit, non, je ne suis même pas digne que tu rentres chez moi, dis seulement un mot. Donc, à chaque fois que quelqu'un touchait de manière particulière, pas comme tout le monde, touchait de manière particulière, le Seigneur mettait ça en lumière. Et c'est ça que nous devons chercher. Nous ne devons pas chercher des trucs où on suit seulement. On m'a dit de faire ça. Non, on doit rechercher les choses dans le secret avec le Père. Vraiment, des choses qui réjouissent le cœur du Père, on le fait parce que le Seigneur sera content, il sera dans la joie. Et quand le Père est content qu'on a fait quelque chose, la joie, l'on la ressent. Va un peu, si tu partages la parole de Dieu, tu évangélises quelqu'un. À la fin, tu es dans une joie, tu te demandes pourquoi j'ai cette joie-là. En fait, c'est parce que le Seigneur est dans la joie également que tu as cette joie-là. De la même manière, quand tu as réjoui le cœur de Dieu dans n'importe quoi que tu as fait, sachant que non, ça, je le fais pour le Père. À la fin, tu auras une joie, c'est une joie qui vient du Seigneur. Et c'est ça que nous devons rechercher. Nous ne devons pas faire parce qu'on m'a dit de faire.
faire parce que je veux montrer aux frères que je fais aussi. Je veux montrer à telle sœur que je fais aussi. Je veux aussi faire parce que tout le monde le fait. Donc, si je ne fais pas, ça va se voir que moi je me mets à part et je ne fais pas. Si on reste dans ces choses-là, en fait, on sera toujours terrestre. On va rester toujours sur la terre. Jamais on ne va décoller avec le Seigneur. Mais quand vraiment on commence à faire les choses parce que le Père qui est dans le secret, comme la parole de Dieu, voit les actes que nous commettons. Et il voit que si on le fait, on le fait par amour pour lui. Et donc forcément par amour pour mon frère, pour ma soeur qui est là. Le Père nous le rendra au sanctuaire. Le Père sera glorifié si on entre dans cette dimension-là vraiment de tout notre cœur. Là, le Père va vraiment commencer à ouvrir nos yeux sur les besoins qui sont là qu'on n'a jamais vus. On ne voit pas ces besoins-là, mais le Père va commencer à ouvrir nos yeux. Hey, tiens, tu vois telle sœur, elle a besoin de ça. Tu vois, mets-toi en prière pour lui et ainsi de suite. Et là, parfois on reste comme ça, on dit, à quoi est-ce que Dieu m'appelle? Dieu ne m'appelle pas parce que je ne suis pas prêt. Je peux rester là 10 ans dans l'église, Dieu ne m'appelle à rien du tout, mais parce que j'attends, alors qu'il y a beaucoup de choses à faire, Dieu attend simplement que spontanément, je discerne les petits besoins qui sont là, je commence à les faire, donc Dieu me met déjà à l'épreuve, il voit vraiment, comment dire, il voit le soin avec lequel je le fais, il dit, ah, ça c'est quelqu'un qui veut vraiment me servir, ça c'est quelqu'un qui a vraiment le cœur. Dieu vient maintenant, il te révèle, il dit, en fait, vraiment le don que je t'ai donné, c'est pour telle chose. Vas-y, fais ça. Ça là, c'est vraiment ce dans quoi je t'attends. Mais si je suis assis comme ça, je reçois seulement la parole, je reçois, mais la vie ne se manifeste pas, je ne commence pas à donner ce que j'ai reçu, ainsi de suite. Mais en fait, je peux rester comme ça toute ma vie chrétienne, assise sur le banc de l'église. Toute la vie chrétienne, après je vais partir, et quand je vais arriver devant le Seigneur va me monter une montagne de choses comme ça qu'il attendait que je fasse, mais je ne suis jamais entré là-dedans. Parce que je n'ai pas montré au Seigneur mon intérêt pour son œuvre. Et son œuvre, comme le frère disait, ce n'est pas venir prêcher. Il y a tellement de choses à faire dans le corps de Christ. Mais comme je n'ai pas montré d'intérêt, ben Dieu, comme la parole de Dieu dit, il frappe et il attend. Il ne frappe pas, il entre. Il frappe et il attend. Si j'ouvre, il dit, ah, tu veux que je vienne? Ok, là je viens maintenant, je t'ouvre les yeux, je commence à te montrer. Mais si tu ne lui montres pas la volonté de faire, Dieu aussi, il reste, il te regarde, tu le regardes, tu pries, ah Seigneur, tu m'appelles à quoi? Tu restes toute la vie comme ça, ah Dieu ne m'a jamais révélé ce à quoi il m'appelle, donc j'attends toujours. Donc, vraiment, sachant que dans ces petites choses-là, il y a toutes ces prières-là que nous faisons pour demander à Dieu dans quoi est-ce que tu m'appelles dans l'assemblée, ainsi de suite. Tout ça, ça se joue hein, dans toutes ces petites choses-là. Ça se joue. L'appel de Dieu vient à un moment où Dieu discerne que voilà, on commence à manifester de l'intérêt pour son œuvre. Mais il ne va pas nous forcer là-dedans. Il ne va pas nous forcer. Donc, il voit vraiment la disposition de notre cœur. Et ensuite, il appelle maintenant et il t'équipe, il te donne ce qu'il faut pour pouvoir faire vraiment ce à quoi il t'appelle. Amen. Amen. Si nous comprenons bien la manière dont le Seigneur est en train de nous parler, le problème ne s'arrête pas au niveau des enfants. C'est un problème qui est général et dans tous les domaines en fait de notre vie. Donc, mais ça ne vous sentez pas particulièrement indexé. Mais le Seigneur met le doigt, en fait, sur quelque chose de précis. C'est vraiment l'amour qui vient du cœur. Le véritable amour qui vient du cœur. Et c'est pour ça qu'en commençant, le Seigneur a conduit
à ce qu'on parle déjà de l'amour, du don, de ce qu'on va donner. Le temps qu'on va donner à ses enfants, c'est juste quelque chose, comme on peut dire, c'est... Bon, on ne passe pas une journée avec ses enfants, mais le seul fait de voir ses enfants peut-être tout seuls et que cela ne nous touche pas, doit nous montrer, en fait le Seigneur veut nous montrer que si je n'arrive pas à manifester cet amour envers ces petits-enfants qui ne sont que là pendant 4 heures de temps à ma présence, le restant de la semaine, examinons véritablement comment est-ce que nous manifestons l'amour envers tous ceux qui sont autour de nous. Parce que l'amour, ce n'est pas seulement de dire « Oh, mon frère, je t'aime. Mon frère, je t'aime. Mon frère, je t'aime. Ma soeur, je t'aime. Vraiment, ma soeur, je t'aime. Je t'aime. » On va passer 3 heures de temps au téléphone à causer. Et quand tu regardes les appels que tu passes, tu ne passes tes appels que vers une seule personne. Vers une seule personne. Donc, si je passe toute ma vie à appeler la soeur Linda, ça veut dire que la seule personne, en fait, que j'aime vraiment et vers qui je suis en train de donner, ce n'est qu'à la sœur Linda, toute seule. Bon, s'il y a telle autre sœur avec qui je ne m'entends pas très bien, combien de fois est-ce que je l'appelle? Ça, que chacun de nous regarde bien dans son répertoire. Combien de fois est-ce que j'ai pris les nouvelles du frère Franck? Combien de fois est-ce que j'ai pris les nouvelles du frère Alain? Moi-même, je me reconnais déjà là-dedans parce que je sais qu'en semaine, c'est le seul vraiment à qui j'envoie régulièrement des messages presque tous les jours. Si c'est aujourd'hui est passé, demain, forcément, j'aurai un message de lui ou lui, il recevra un message de moi. Donc, ce n'est pas seulement à votre niveau, mais c'est vraiment pour qu'on comprenne que il y a cet élan d'amour que nous devons avoir dans l'Église. Cet élan d'amour. Et ça va faire quoi? Ça va créer en nous vraiment des œuvres. Vraiment, quand le Seigneur dit qu'il a préparé d'avance des œuvres, si nous ne pouvons pas nous aimer, ces œuvres, nous n'allons pas les pratiquer. Pas du tout. Parce que j'ai ma mère ici qui a des problèmes, mais comme je ne prends pas de ses nouvelles, comme je ne peux pas savoir même quelle est sa vie, je sais que dimanche on va se voir. Si même on ne se voit pas le dimanche, je peux encore rentrer sans que cela ne m'inquiète même. Je vais partir, je passe encore toute la semaine, 2 semaines passent, je ne me demande même pas est-ce que le frère Franck, pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu, tel autre, je vais voir la soeur Aïcha, mais dis-moi mon frère, est-ce qu'il va bien, est-ce qu'il est malade? Si toutes ces petites questions-là, je ne peux pas me les poser, il me sera difficile vraiment d'arriver de voir les enfants qui sont tout seuls et d'aller les rencontrer, d'aller causer avec eux, d'aller partager quelque chose avec eux, d'aller les exhorter, d'aller les encourager. En fait, ça montre notre manifestation de l'amour, c'est que je pense à moi et rien qu'à moi. Peut-être encore, si je vois que la sœur Linda est de l'autre côté, et ça va se voir si la sœur Linda n'est pas là et que c'est la seule sœur que j'appelle régulièrement. Quand je partirai d'ici, ma soeur, c'est comment? Je ne t'ai pas vu, c'est Hao. Qu'est-ce qui ne va pas? Là, je serai tranquille, je vais vraiment être apaisé. Mais quand je vois que c'est mon frère Franck, moi je n'ai pas de rapport avec le frère Franck, donc le frère n'était pas là, tant pis, la semaine va passer sans que cela ne me gêne. Et sincèrement, regardons bien, même dans nos prières, qui est-ce que nous mettons le plus dans les prières? Pour qui est-ce que nous prions régulièrement? Mais est-ce que c'est ce que le Seigneur nous demande? Nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu en agissant de cette manière. Nous ne sommes pas du tout, parce que pour moi, le problème des enfants, moi, je ne peux même pas en parler parce que je me dis, bon, les enfants sont là. Le Seigneur, forcément, il va trouver une personne qui s'occupe des enfants. Ça ne s'arrête pas là. Il faut voir la chose beaucoup plus loin. Le Seigneur a dit, quand je regarde
vraiment le problème de l'amour, et ce n'est pas un problème facile, hein, mes soeurs, ce n'est pas du tout facile. Nous croyons souvent qu'en disant je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, ça va changer quelque chose. Non. Quand le Seigneur dit dans Jean 13, regardez un peu la manière dont le Seigneur va parler à ses disciples. Ses disciples, alors que vraiment, lorsque quand on regarde aucun de ces disciples là, je ne sais pas s'ils avaient 10 ans. Ça veut donc dire que au moins ils avaient déjà entendu parler de la loi. Au moins ils avaient entendu parler de la loi. Et le tout premier commandement de la loi, c'est que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Le deuxième commandement, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais dans Jean 13, au verset 34, il va encore leur dire, je vous donne un commandement nouveau. Quel est ce commandement nouveau? Il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voilà ce qui va faire, ce qui va rendre ce commandement nouveau. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le commandement nouveau, c'est que tu aimeras, aimez-vous les uns les autres. Donc, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais pas simplement ça. La suite, c'est que comme Christ, lui aussi, hein, comme Christ, lui, il nous a aimés. Donc, je dois aimer Dieu. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Pas n'importe comment. Comme Christ aime son Père, c'est comme ça que je dois aimer Christ. Voilà ce qui vient de nouveau dans ce que Christ vient ajouter. C'est que Christ vient fixer les choses là où elles étaient encore floues, là où elles étaient encore éparpillées. Tout le monde peut dire j'aime Dieu. Tout le monde va dire j'aime Dieu. Le musulman va dire j'aime Dieu. Le rosicrucien va dire j'aime Dieu. J'aime mon Dieu. Tel autre va dire j'aime mon Dieu. Mais maintenant, la différence, ça sera quoi? Tous parlent de Dieu, mais la grande différence entre le chrétien et tous les autres, c'est que eux, ils ne vont pas, et c'est là où on va voir de quel Dieu est-ce qu'on parle. Parce que, est-ce que le musulman aime Dieu comme Christ a aimé Dieu? Point d'interrogation. Est-ce que le bouddhiste aime Dieu? Ça veut dire que quand il va parler de Dieu, en français, quand tu vas écrire, peut-être tu vas mettre grand D. En disant que c'est l'Éternel. D'autres vont mettre petit d. Mais dans la manière de parler et d'agir, on ne voit pas la différence dans les lettres. Mais sauf que si tu l'aimes comme Christ aime ce Dieu-là, alors on n'a pas besoin d'écrire le grand D. On sait que tel que Christ a aimé Dieu, toi, tu es en train de manifester le véritable amour de Christ. Et ça montre que voici un enfant de Dieu. Par contre, lorsque le musulman va aimer, il va dire, j'aime Dieu, j'aime aussi le prophète. Pour lui, il ne va pas aimer Dieu comme Christ aime son Père. Comme Christ a aimé ce Dieu qui est venu, qui nous a accordé la grâce d'être sauvés. Et ça apporte quelque chose de particulier entre les enfants de Dieu et les enfants du monde, entre ceux qui connaissent vraiment Dieu et ceux qui ne connaissent pas ce Dieu dont nous sommes en train de parler. Ce n'est pas une manière de blâmer qui que ce soit, parce que si le Seigneur le dit ici, c'est parce qu'il avait déjà vu quelque chose au milieu de ceux qui étaient autour de lui, au milieu des personnes qui sont autour de lui, et il vient encore leur rappeler. Donc c'est un rappel que nous devons continuellement nous faire et nous dire, est-ce que j'aime? Oui. Est-ce que j'aime comme Christ voudrait que j'aime? Comme Christ aime, par exemple, mon frère Franck, voici, est-ce que je l'aime de cette manière? Point d'interrogation. Est-ce que j'aime la maman qui est ici à côté de moi comme Christ l'aime?
point d'interrogation. Si j'arrive à comprendre que je dois aimer comme Christ a aimé, chacun de nous ici, je crois, élève la voix vers le Seigneur tous les jours. Et le Seigneur, quand je sors de la prière, je me dis, le Seigneur m'a écouté. Et j'arrive même encore à dire que la prière du juste a une grande efficacité et que ma prière est déjà exaucée. Ça veut donc dire que quand je reste, je vois, j'entends mon frère Franck qui crie, il a besoin d'un stylo, j'entends maman Tecle qui crie, elle a besoin d'une feuille, j'entends tel frère qui crie, elle a besoin de ceci, j'entends tel autre qui crie, qu'elle a besoin de ceci. Bon, qu'est-ce qui se passe avec Dieu? Il prie pour le stylo, tel autre prie pour la feuille, tel autre prie pour ceci, tel autre prie pour ceci. Si je veux aimer comme Christ, même, lui dans son cœur, il a l'assurance que le Seigneur a exaucé, il m'a déjà donné le stylo. Tel autre a l'assurance, il se dit, le Seigneur m'a exaucé, il m'a donné le livre. Tel autre, bon, j'ai de l'argent. Christ, pour agir dans la vie de Franck, il sait que j'ai 5 euros dans ma poche. Je vois comment est-ce que mon frère, parce que c'est de là que tout part. Si déjà je ne connais pas mon frère, si je n'ai pas de rapport même avec lui, quand nous disons que je rentre dans la présence de Dieu, ça veut dire que je cherche vraiment à établir une intimité avec ce Seigneur-là. Je cherche à établir une intimité avec le Dieu. Et comme je dois aimer comme lui, ça veut donc dire que mon frère, lorsqu'il est là actuellement, nous sommes ensemble. Non, nous sommes dans une intimité, nous sommes dans une communion. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, nous devons rester dans la communion fraternelle. Et déjà au début de l'Église, on voit qu'ils étaient continuellement dans la communion fraternelle. Et on voyait comment, on nous dit, il n'y avait pas d'indigents au milieu d'eux. Et le Seigneur se glorifiait, il y avait la puissance, il y avait ceci. Dans cette communion fraternelle, pourquoi? Parce que c'était aussi une manifestation de l'amour. Et là, ils apprenaient vraiment à s'aimer les uns les autres comme Christ les a aimés. C'est pour ça que chacun pouvait vendre ce qu'il avait, il pouvait donner tout ce qu'il avait, parce que tel autre est dans le besoin, parce que tel autre a besoin de ceci, parce que tel autre va crier, parce que... Et le Seigneur nous dit, réjouis-toi avec celui qui est dans la joie, pleure avec celui qui pleure. Mais si déjà, je n'arrive pas à avoir vraiment le sentiment de Christ, l'amour de Christ en moi, le véritable amour de Christ en moi, toutes ces choses-là, je ne vais pas du tout les voir. Ça veut dire que mon frère Franck, notre communion va s'arrêter, elle sera limitée ici au niveau, comme on a l'habitude de se retrouver les dimanches, elle va se limiter le dimanche. Mais pourquoi Christ dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps? Si moi je suis donc, je veux être à l'image de ce Christ, si je veux être comme Christ, si je veux aimer comme Christ, Christ ne nous a jamais quittés. Si aujourd'hui, Christ ne nous a jamais quittés, ça veut dire que même si je n'ai pas la possibilité d'être continuellement avec mon frère Franck, je dois prendre continuellement de ses nouvelles pour imiter un peu ce que Christ fait avec moi. Puisque Christ ne me quitte jamais, ça veut donc dire, je dois aussi ne pas quitter, je ne dois jamais quitter mes bien-aimés. Au moins ce que je connais déjà. Au moins ce que je connais déjà, je ne dois jamais les quitter. Ça veut dire, quand dans ma prière, je dois penser à mes frères, je dois prier tel que je prie pour mes propres sujets, je dois prier de la même manière pour les sujets de mon frère, appelé frère, vraiment, qu'est-ce que tu voudrais que je mette dans la prière pour toi aujourd'hui? Vraiment, qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon frère? Ma soeur, qu'est-ce que je peux faire? Être un enfant de Dieu, faire le travail du disciple du Seigneur, ce n'est pas quelque chose de facile. Hein? Parce que quand on commence à creuser, quand on commence à voir réellement le travail qu'un disciple doit faire, nous devons imiter Christ et en toute chose. Là, nous allons être des véritables disciples de Christ. Et c'est pour ça, il y a, je ne sais pas, c'est la semaine dernière où la soeur demandait que pourquoi le Seigneur a-t-il dit
a insisté en disant à Pierre, paie mes brebis, paie mes brebis, paie mes brebis. C'est parce qu'être un disciple, ce n'est pas quelque chose de facile. Nous pouvons le négliger, nous pouvons dire, ah, comme une fille me disait hier, ah, Dieu attend seulement que je croie en lui. Il a dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Donc j'ai cru, alors je sais que je vais être sauvé. Il y a beaucoup de choses qui rentrent quand on a déjà cru. Ce n'est que le début, ce n'est que le commencement de la marche. Je suis un disciple. Christ, si Christ fait, la parole de Dieu nous dit qu'il ne fait abstraction de personne. Mais est-ce qu'au milieu de nous, nous aussi, quelqu'un peut dire ici que je ne fais abstraction de personne? Ça veut dire la manière dont j'aime Maman Tècle. C'est de la même manière que j'aime Stéphanie. C'est de la même manière que j'aime le frère James. Est-ce que quelqu'un de nous ici peut vraiment dire cela, lui venant du fond du cœur? Quand on voit comment est-ce qu'on doit envoyer, apporter un alerter les frères en disant, voilà, il y a telle personne qui est au milieu de nous, qui traverse une période difficile. Ce n'est pas quelqu'un qui est avec nous il y a 2 mois. Ça fait bien, je crois que ça fait plus de 4-5 mois qu'on est ensemble. Et j'étais en train de partager avec mon épouse et je lui disais, il y a quelque chose qui me montre que j'ai encore un grand problème avec ma marche spirituelle. C'est que lorsque quelqu'un est en jeûne, regardez, remarquez bien, lorsque quelqu'un prend par exemple 3 jours de jeûne, regardez la vie que tu mènes pendant ces 3 jours de jeûne. Le jour où tu arrêtes le jeûne, le lendemain, compare juste la vie que tu as menée ce jour où tu as arrêté le jeûne, le lendemain de cette journée et l'un des jours pendant lesquels tu étais dans le jeûne. Tu vas voir une grande différence. Ça veut dire, je sors de ce jeûne, je me dis, waouh, le monde est quand même beau. Je rentre dans le monde de plein pied. Et le monde ne te fait pas de cadeaux, il va bien t'accueillir. Ah oui, il va bien t'accueillir. Et c'est pour ça que le Seigneur nous recommande de prier sans cesse. Amen. Nous devons continuellement faire comme si nous étions dans le jeûne, continuellement. Amen. Comme si nous étions vraiment dans cette présence, parce qu'on dit nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes dans la présence de Dieu, mais c'est vraiment pour remarquer bien cela, la période où quelqu'un est dans le jeûne et la période où, et quand vous sortez de ce jeûne, les tout premiers jours, je vous assure, vous allez embrasser le monde si vous ne faites pas attention. Mais grave, parce que le diable, ne l'oublions pas, il attend l'occasion favorable. Quand tu rentres dans le jeûne, tu te dis, waouh, le diable, là, il est entre les mains du Tout-Puissant, lui-même veille, il veille sur lui. Dès que tu sors de là, tu dis, ok, j'ai passé mes 3 jours de jeûne, j'ai passé mes 2 jours de jeûne. Maintenant, je recommence. Le petit déjeuner d'abord, tu bombardes, tu bombardes, tu bombardes, tu bombardes. À midi, tu remplis, tu remplis, tu remplis. Le soir, tu remplis encore les causeries à gauche, à droite. Tu fais tout ce que tu veux. Tu montes, tu descends. Et c'est quoi? C'est que le diable t'a souhaité la bienvenue. Dès que tu es sorti de la montagne, le diable t'a dit, viens, sois le bienvenu. Et il commence à te donner, à te donner, à te donner. Et ça, ça nous montre que, en fait, l'amour véritable de Christ n'y est pas encore. Cet amour véritable de Christ, nous ne l'avons pas encore dans notre cœur. Le Seigneur dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres comme... Hein? Comme... Je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Donc, il ne dit, pour que quelqu'un comprenne bien, il dit, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Ça ne veut pas dire, aime seulement tel, aime seulement tel, aime seulement tel. Si réellement, tu aimes la sœur Linda, tu ne vas pas voir les enfants de la sœur Linda traîner comme Christ
prend soin de ses enfants. Le Seigneur lui l'a déjà dit, vos enfants sont sanctifiés. Il a déjà fait sa part. Maintenant, si j'aime la sœur Linda, je vois ses enfants en train de traîner, je ne peux pas laisser ses enfants et se dire, bon, voilà, c'est comme il y a des enfants qui sont là, ok, j'ai d'abord ceci à faire, mais les enfants, ils vont se débrouiller. Imagine que ce soit tes propres enfants à toi. Si tu, la manière dont tu vas prendre soin de tes propres enfants, si tu ne peux pas prendre soin des enfants de mon frère ou de ma soeur qui sont là à côté, ça veut dire que en toi il y a un problème. Tu n'es pas en train d'aimer comme Christ a aimé, comme Christ même. Donc l'amour que je vais attendre de toi ma soeur, c'est l'amour véritablement, logiquement, comme Christ est en train de me dire ici, c'est que tel que lui il m'aime, c'est comme ça aussi que toi tu dois m'aimer. Donc si je te réclame l'amour et le Seigneur dit ne devez rien à personne, si ce n'est l'amour les uns les autres, donc l'amour que je vais te réclamer maman Teke, c'est l'amour que Christ me donne. Est-ce que tu comprends? Amen. C'est l'amour tel que Christ m'aime, c'est comme ça, c'est le même amour que je dois te réclamer. Amen. Et c'est le même amour que toi tu me dois. Amen. Est-ce que tu comprends? Donc, quand on va arriver à ce niveau, quand on va avancer jusqu'à ce point, alors là, on va commencer à comprendre que lorsque Christ disait « Aimez-vous les uns les autres », il ne va pas s'arrêter là, parce que par la suite, il va encore leur dire que « À ceci, il ne s'arrête pas là. » La suite, c'est quoi? C'est que, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Pas n'importe quel amour. Pas l'amour des musulmans, pas l'amour des francs-maçons, pas l'amour de ceci, mais l'amour de Christ. Si on voit l'amour de Christ en vous, ça apportera le témoignage que vous êtes les disciples de Christ. C'est l'amour de Christ, parce que quand on dit l'amour, tout le monde va dire j'aime, lui tout le monde aime, mais est-ce que tu aimes, est-ce que tu m'aimes de l'amour de Christ, est-ce que tu es vraiment animé de l'amour de Jésus Christ? Le Seigneur Jésus a dit, encore quand il parlait de l'homme riche, là, si on peut prendre... Voilà. Dans Matthieu chapitre 19. Dans Matthieu chapitre 19, à partir du verset 16, il est dit, et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Donc, qu'est-ce que je dois faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements, lesquels, lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous voyez? Il s'arrête là. Il ne lui dit pas, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme Christ aime son père. Il ne lui en parle pas. Il s'arrête juste au niveau du béaba. Donc ça, c'est que en réalité, le commun des mortels doit pouvoir faire ces choses dont Christ est en train de parler ici à cet homme. Christ lui dit que, en réalité, il lui montre tout ceci. Et vous allez voir, le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me demande, que me manque-t-il encore? Donc, Jésus ne lui dit pas que tu ne les as pas faites, non. Jésus ne lui dit pas que tu ne les as pas faites. Peut-être, effectivement, il a pu faire ces choses. Tu n'as jamais tué. Moi, est-ce que j'ai déjà tué? Non, je n'ai pas encore tué. Mais le Seigneur a une autre conception de la mort. Donc, lorsqu'il va, on va dire à quelqu'un, mais que signifie tuer? Bon, quelqu'un va dire, tuer, c'est mettre fin à la vie.
Il présente ça à Jésus. Jésus va dire, ok, si c'est comme ça que tu comprends la chose, tant mieux, j'accepte. J'accepte ce que tu dis. Tu ne tueras point, je n'ai jamais tué. Tu ne commettras point d'adultère, je n'ai jamais commis l'adultère. Je ne suis jamais sorti avec la femme de quelqu'un. Il dit, d'accord, je suis d'accord. Tu ne déroberas point, je n'ai jamais volé parce que mon père est tellement riche, il m'a toujours tout donné. D'accord, tu n'as jamais volé. Tu ne diras point de faux témoignage, je n'ai jamais dit un faux témoignage. D'accord, il n'y a pas de problème. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme ne dit même pas que j'ai toujours aimé. Il lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Il ne répond même pas à tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce qu'il estime, pour le jeune homme riche, il estime que c'est la chose la plus basique. Et c'est comme ça, tous ceux qui sont là dehors, quand vous allez lui parler, soit de l'adultère, soit de... ils vont vous tenir le même langage. Pour l'amour, il dit, mais moi j'aime tout le monde, moi je n'ai pas de problème avec personne. Donc pour lui, c'est ça l'amour. Jésus arrive donc, il dit, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, si tu veux être parfait. Donc là, il est en train de lui dire, soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Donc, le Père Céleste est parfait. Jésus aussi est parfait. Donc, Jésus veut amener, veut donc montrer à cet homme-ci quelque chose. Va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Donc, qu'est-ce que le Seigneur est en train de lui dire? Il lui dit, débarrasse-toi de tout ce que tu as maintenant. Viens manifester l'amour à ces personnes qui sont pauvres. Pourquoi ces personnes qui sont pauvres? Parce qu'il y a une question de rang social qui intervient maintenant. Regardez bien, dans la société, le riche va surtout fréquenter le riche. Il va surtout faire du bien aux riches. Il va chercher, quand vous regardez des personnes qui ont tellement d'argent, s'il va faire par exemple des dons dans un pays, il sait que les dons qu'il va faire dans ce pays, quelque part il va aussi négocier un marché qui lui rapportera plus. Il va négocier quelque chose qui lui rapportera plus. Bref, il y a un intérêt qui est caché derrière l'amour qu'il va manifester. Et Jésus lui dit donc que la question du rang social, est-ce que tu l'as déjà réglé? Voilà, tu es riche. Maintenant, ce que tu as. Si le Seigneur lui disait que vends tout ce que tu as et donne-le aux hommes, il pouvait vendre tout. Je suis tellement riche, je vends tout ce que j'ai, je le prends, je vais donner à un autre riche. Le riche va me dire, ah mais laisse tomber, je n'ai pas besoin de ton argent. Toi, tu n'as que 2 milliards, j'ai 20 milliards dans mon compte. C'est une manière d'être tellement rusé et d'obéir aux commandements que le Seigneur nous donne. Mais comme Dieu est Dieu, il est sage, infiniment sage, il sait que tu donnes cela à un pauvre, le pauvre prendra. Il prendra et il ne te redonnera rien. Par la suite, il va dire merci à Dieu. Peut-être même à toi-même, il ne te dira pas merci. Tu prends maintenant 10 000 euros, tu me donnes. La première, Seigneur, merci. Merci mon Dieu. C'est lui-même qui m'a donné. Attends, tu vas d'abord remercier Dieu avant de me remercier. Il dit, j'ai prié Dieu depuis que je suis pauvre. Donc si Dieu me donne de l'argent, je récupère d'abord cet argent, je lui dis merci à Dieu avant de lui dire. Oh, en disant déjà merci à Dieu avant de lui dire, c'est son honneur qu'il a perdu. Ça veut dire, j'ai donné les honneurs à Dieu avant de lui en donner. Oh, quand il venait me donner les 10 000 euros, il s'attendait à ce que vraiment, frère Franck, je m'agenouille. Tu es grand, tu es ceci, tu es. Mais non. Ma première réaction va se tourner vers Dieu. Et là, il a perdu l'honneur. Et comme il doit perdre, il sait que s'il se tourne vers le pauvre, parce que le Seigneur aussi ne va pas le conduire vers n'importe quel pauvre, il va le conduire vers un pauvre que lui-même a déjà préparé. Pour sa gloire, de sorte que si vraiment il faisait cet acte, il se rapprochait vers le pauvre allait dire merci Seigneur, et il y a quelque chose qui allait se passer dans la vie de ce pauvre-là. Donc, on voit que la manifestation de l'amour, en fait, va agir
dans l'autre, dans mon prochain, dans mon frère, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, pour que lui aussi puisse glorifier le Dieu Tout-Puissant. Amen. Et comme il va d'abord glorifier le Dieu Tout-Puissant, ton honneur à toi va diminuer, ton honneur va se perdre. Et si tu vas en n'attendant pas vraiment cet honneur de lui, tu seras dans la joie de savoir que le Dieu que tu sais est en train d'être glorifié à travers un acte que toi tu as posé. Amen. Donc, c'est vraiment cette manière d'agir, cette manière de marcher et d'avancer au fur et à mesure quand nous disons que nous cherchons le Seigneur, nous voulons croître en maturité. C'est vraiment prier déjà le Seigneur pour qu'il nous ouvre les yeux. Pour qu'il nous ouvre les yeux. Et maintenant, lorsque mes yeux s'ouvrent, qu'est-ce que je dois faire? Je dois maintenant agir. Quand on regarde la conversion un peu de Saul. Dès que Saul a rencontré le Seigneur, la première chose qui lui est arrivée, c'est qu'il est tombé aveugle. Est-ce que vous imaginez que le temps où il était aveugle, il n'était pas déjà enfant de Dieu? C'était déjà un enfant de Dieu. Puisque le Seigneur était déjà en train de lui conduire, le Seigneur lui parlait déjà, il mettait déjà des personnes autour de lui pour commencer sa marche et tout. Donc il était déjà mis à part pour Dieu. Donc je me demande, est-ce que nous ne sommes pas dans la position que Saul occupait avant que Ananias ne vienne dans sa vie? Est-ce que c'est dans cette posture-là qu'on se retrouve? Parce que quand j'entends que, oui, je voyais cela, on voyait cela, mais on n'agissait pas. Seul à l'époque où il était dans cette posture, il voyait, pour lui, il avait une image de ce que le monde était. Parce que Saul n'est pas parti sur le chemin de Damas étant aveugle. Il avait ses deux yeux. Donc, quelle est la différence entre quelqu'un qui voit un homme en train de se faire, par exemple, percuter par un véhicule, et quelqu'un et qui ne fait rien, et quelqu'un qui est aveugle, qui est là, qui ne sait même pas que quelqu'un va se faire percuter par un véhicule? Dites-moi un peu la différence. Lequel est même plus aveugle? Parce que celui qui est aveugle, il a quand même des circonstances atténuantes. On dira que non, il n'a rien vu. Donc, si la police arrive, on ne dira pas non-assistance à personne en danger. Puisque quand vous allez le lire, il dit, mais moi-même, je suis en danger. Vous me dites que. Donc, qui devait m'assister? Il y a quelqu'un qui devait m'assister. C'est la question qu'il va poser. Mais quelqu'un qui a les yeux, qui voit, lui, on va l'attraper. On va lui dire, mais regardez ce qui s'est passé devant vous. Et pour savoir que, effectivement, ce que j'ai fait était mal, c'est que l'aveugle, quand on lui dira non-assistance à personne en danger, il va dire, ah, vraiment, les gens ne m'assistent pas depuis que je suis aveugle. Mais toi qui as vu, tu vas commencer, vraiment, je ne l'ai pas vu. C'est que quand il passait, il était tellement rapide, toi tu vas chercher à te justifier, alors que l'aveugle, le véritable aveugle, lui, il va chercher même à montrer sa misère pour qu'on ait même encore pitié de lui. Et ça, c'est toute la différence. C'est que quand je vois les choses, automatiquement, au plus profond de moi, si je ne me lève pas pour faire ces choses, ça veut dire que il y a un problème. Vraiment, à l'intérieur de moi, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Et ça, c'est vraiment, vraiment par rapport à l'amour de Christ. L'amour que Christ a pour nous. C'est le même amour que je dois manifester à mon frère. C'est le même amour que je dois manifester à ma soeur. Quand je lis la parole de Dieu, je vois ce que Christ a fait. Ce que Christ a fait, c'est la même chose que je dois me dire. Vraiment, Seigneur, aide-moi afin que je puisse faire les mêmes choses. C'est pour ça que quand le Seigneur nous dit qu'il y a des œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous, c'est ces œuvres-là, c'est que lui-même déjà, il a déjà fait toutes choses, il a déjà préparé. Quand on dit qu'il y a la nourriture qui est préparée, c'est quoi? C'est que je vais me servir dedans. Je vais me servir. Donc, cette nourriture, ces œuvres, elles ont déjà été préparées par Dieu. Donc, Dieu lui-même a déjà tout fait. Il a déjà tout fait. Tout ce qu'il demande, tout ce qu'il attend de moi, c'est que je me lève et que j'aille me servir dans ces œuvres.
Et au fur et à mesure que je vais me servir, je me sers, les œuvres diminuent et il vient encore remplir. Je me sers, ça diminue. Il y a donc des personnes qui peuvent avoir une marmite pleine, la marmite déborde même déjà. À un moment, le Seigneur ne va plus mettre la nourriture puisque la nourriture qui est là, elle risque même moisir. Les œuvres peuvent être là au milieu de nous et elles sont déjà en train de moisir. Le Seigneur voit des situations, il dit, mais comment vous n'arrivez pas à vous servir dans cette marmite des œuvres que j'ai posées devant vous? Et il voit à côté quelqu'un qui est en train de faire un petit effort, même si ce n'est qu'avec la cuillère qu'il est en train de se servir, alors que toi tu as peut-être une louche, lui il a une petite cuillère, il enlève un. Petit à petit, ça descend. N'oublions pas cette parole. Les prostituées vous devanceront dans le royaume des cieux. Les prostituées nous devanceront dans le royaume des cieux. Parce que lorsque la prostituée se rend compte que il y a un travail, j'ai perdu du temps, le Seigneur m'a fait grâce. N'oubliez pas Marie. N'oubliez pas Marie. Le Seigneur a dit, elle a choisi la bonne part. Elle était au pied du Seigneur. Elle écoutait lorsque le Seigneur lui parlait. Elle écoutait. Pour elle, ce n'était pas le boucan, ce n'était pas le bruit. Mais elle recevait. Elle recevait. Elle recevait. Ne soyons pas dans la posture du bavardage de Marthe. Marthe bavardait beaucoup. Marthe disait beaucoup de choses. Elle était toujours mise en avant. Elle était toujours aux premières loges. Elle était visible. Marthe était visible. Marie était cachée. Marie était couverte. Elle était cachée. Elle était en dessous. Tandis que Marthe voulait se faire voir. Marthe était toujours là. Quand tu vas entendre la manifestation de l'amour, tu vas entendre, oh, il y a tel problème. Oh, il y a tel problème. Oh, il y a ceci qui ne va pas. Oh, entre tel et tel, voici ce qui a été dit. Voici ce qui, vraiment, il y a telle chose qui ne va pas. Est-ce que c'est là l'amour que je manifeste à mon frère? Est-ce que c'est là que se trouve l'amour que je manifeste à ma sœur? Est-ce que c'est dans les différents que le monde saura que nous sommes réellement disciples du Seigneur? Est-ce que c'est dans ces différents? Est-ce que c'est dans ces clans que l'on saura que nous sommes véritablement disciples du Seigneur? Non, c'est dans l'amour. Le véritable amour de Christ. Ouvrons. Prenons la peine de prier le Seigneur afin qu'il nous ouvre les yeux. Les yeux pour voir. Vous avez les yeux, mais vous ne voyez pas. Les oreilles, mais vous n'entendez pas. Des personnes qui crient autour de nous, mais nous n'entendons pas les cris de ces personnes. C'est peut-être parce que nous-mêmes, nous prions déjà assez. J'ai tellement de problèmes que même les grâces que le Seigneur déverse sur moi, je ne les vois même plus. Je ne regarde que les problèmes, les manquements qu'il y a en moi. Donc, le Seigneur nous interpelle et nous attire vraiment notre attention pour que nous fassions, pour que l'on garde les regards fixés sur lui. Allons aussi prendre dans 1 Corinthiens, chapitre 11. Pas 11, chapitre 12, je crois. 1 Corinthiens, chapitre 12. Parce que quand le frère parlait des dons spirituels, il y a un aspect plutôt encore Corinthiens 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, donc
je parle en langue plus que vous tous. L'apôtre Paul, c'est l'apôtre Paul qui l'a dit. Il disait, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous. Maintenant, le Seigneur va dire quelque chose. Il dit, quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Pourquoi? Parce que je vais croire que le fait pour moi de parler tellement en langue, de parler régulièrement en langue, fait de moi un disciple que Christ agrée. Mais le Seigneur vient ajouter ici en disant que s'il n'y a pas l'amour dans ton parler en langue, s'il n'y a pas l'amour dans tes prières, s'il n'y a pas l'amour dans ta marche, sache que cela ne te sert à rien. Parce que Christ, tout ce que Christ a fait sur la terre, Christ a quitté sa gloire. Il a abandonné tout ce qu'il avait. Toute la gloire, il a abandonné. Il est venu se faire homme, chair, humilié, insulté, rejeté par les hommes. Tout ça, le Seigneur nous dit que c'était par amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a tant aimé, donc son amour était tellement grand qu'il a donné son Fils Jésus-Christ. L'amour qui donne, l'amour se donne. Tu ne peux pas parler de l'amour sans ajouter le don. L'amour donne. L'amour se donne. C'est curieux de voir que quand on parle de l'amour, on n'utilise pas le verbe recevoir. Est-ce que le fait pour toi, ma soeur, de savoir que je t'aime, si je t'aime en réalité, comment tu sauras que je t'aime quand je te donne? Hein? Maintenant, le sens inverse, c'est quoi? C'est que, est-ce que je peux dire que je t'aime quand je reçois les choses venant de toi? Je ne sais pas si tu... C'est l'inverse. Voilà. Tu vois, si par exemple, tu me donnes cette Bible, quand tu me la donnes, oh, je suis dans la joie parce que ma soeur Stéphanie, elle m'a béni, elle m'aime tellement. Voilà. Mais maintenant, je prends ceci et je te donne. Je dis vraiment, ma soeur Stéphanie, elle m'aime tellement. Les gens vont dire, comment tu dis qu'elle t'aime? Mais parce que je lui ai donné un livre. Mais est-ce que tu es sûr que mon patron, déjà, il me donne le salaire à la fin du mois? Est-ce qu'il m'aime? Il ne m'aime pas. Il me donne le salaire parce que je travaille pour lui. Donc, je ne peux pas dire que mon patron m'aime. La preuve, c'est quoi? Le jour où je tombe malade, on va en intérim, on prend quelqu'un, on le met dans la maison. Et il va travailler. Clair et net. Par contre, le Seigneur me dit, tu aimeras ton épouse, je dois aimer mon épouse. Le jour où mon épouse est malade, je le ressens dans la maison. Parce que les tâches qu'elle était en train d'accomplir, elle ne va plus les faire. C'est moi maintenant qui devrais faire ces tâches-là. Et ça, je ressens que vraiment, je dois aimer mon épouse avec laquelle je suis. L'amour, pour parler de l'amour, c'est le don. C'est le don. Tant que je donne, je donne, je donne. Là, je peux dire que oui. Vraiment, vraiment, j'ai un cœur qui aime. Vraiment, j'aime, je donne. Et quand je donne, c'est sans attendre recevoir. Amen. Il y a donné, mais il n'y a pas de recevoir. Donc, recevoir doit être une surprise. Quand je reçois, je dis, waouh, vraiment, gloire à Dieu. Ma soeur Stéphanie, vraiment, elle m'aime beaucoup. Elle m'aime beaucoup. Mais quand bien même, et ça, vous savez, quand on parle
de l'amour et du don. Le Seigneur, je vous assure, parce qu'il nous aime, va nous faire traverser des étapes pendant lesquelles nous pourrons même être frustrés de voir que je manifeste l'amour à tel, je donne à tel, je donne à tel, je donne à tel, je donne à tel. Parfois, il n'y a même pas un merci. Amen. Parfois, il n'y a même pas un merci. Et quand bien même, je vais un jour dire, ma soeur Stéphanie, vraiment, je t'aime beaucoup. Je t'ai tant donné, pourquoi tu ne me dis même pas merci? Ah, le frère attend que je lui dise maintenant merci. Frère, si tu ne veux pas me donner, tu laisses. Si tu ne veux plus me donner. Ta réaction, en fait, je comprends, elle est normale. Tu es en train de me recadrer. Tu vois, frère, tu es en train de me recadrer quelque part que non, tu ne dois pas attendre la merci. Mais si ta manière d'agir vient vraiment de Dieu, pour que le Seigneur me montre que, en fait, quand tu donnais, c'est parce que tu attendais le merci. N'attends plus le merci. Gloire à Dieu. Amen. Mais si tu le fais, par exemple, parce qu'il y a aussi un manque de reconnaissance de l'amour que je te manifeste, là tu auras un problème avec le Seigneur. Parce que ce que tu es en train de faire va maintenant être pour moi aussi un sujet de frustration. De sorte que je verrai bien les besoins. Je dis, mais j'ai tellement donné. Et ça, c'est le langage qu'on entend régulièrement. Hein. J'ai tellement donné aux gens, mais tout ce que je reçois en retour, c'est même pas un merci. J'ai donné ceci, même pas un merci. Vraiment, je ne sais pas. Les chrétiens d'aujourd'hui. Et là, ce n'est plus que Stéphanie. Non, c'est les chrétiens d'aujourd'hui. Et quand on dit chrétien, on parle de qui? On parle de Christ. Donc, le Christ d'aujourd'hui, là, Christ, lui, n'a pas changé. Mais il continue de recevoir les flèches. Il continue de recevoir les insultes. Il continue de recevoir les humiliations. Venant de qui? Venant de ceux pour qui il s'est donné lui-même. Donc, Christ s'est donné, mais jusqu'aujourd'hui, nous continuons de faire quoi? De le lapider. De le tuer, de l'humilier partout où les gens passent. Ah, c'est un chrétien, donc c'est un représentant de Christ qui est en train de passer. Et regardez comment il se comporte. Donc le Seigneur nous ouvre les yeux vraiment pour que dans la manière de manifester l'amour, que l'on sache qu'il y a quelque chose, c'est vraiment un renoncement. Je renonce, je ne vais pas renoncer seulement à mon temps en disant, ah, je vais dans la présence du Seigneur, je vais prier. Là, je dis, ah, je renonce vraiment au temps que je devais aller en boîte de nuit. Si tu passes le temps à prier et tu sors de cette prière, on ne voit pas le résultat à l'extérieur. Ça ne sert à rien. Amen. Ça ne sert à rien. Parce que tu es allé prendre des choses, tu es allé récupérer des choses, tu es allé récupérer. Maintenant, il faut aussi distribuer ces choses au destinataire. Mais tu as pris, tu as gardé. L'égoïsme. Ça veut dire, j'aime seulement récupérer. J'aime récupérer. J'aime récupérer. Et parfois, quand tu regardes, c'est des gens qui vont commencer à prier comment? Quand tu dis, ah, vraiment, Seigneur, regarde ma condition. Vraiment, Père, aie pitié. Et pitié, permet que dans l'assemblée, vraiment, il y ait des dons. Qu'il y ait des dons. Il y ait des dons. Vraiment, Seigneur, fais grâce. Fais grâce, Seigneur, Père. Pourquoi? Parce que tu sais que quand les dons de prophétie vont arriver, et que le Seigneur me demande de te dire que dans 2 semaines, tu auras un travail. Amen! Gloire à Dieu! Le Seigneur me demande de te dire que dans 3 mois, tu seras enceinte. Amen! Gloire à Dieu! Le prophète est là, le prophète est là. Quand tu finis, on attend. Souvent, on demande même ces dons-là uniquement pour satisfaire notre propre intérêt à nous. C'est parce que nous attendons que les choses auxquelles nous aspirons puissent nous être données. Mais ce n'est pas pour ça que le Seigneur accorde les dons.
Non. Le Seigneur peut faire tout ça. Il peut faire que au milieu de vous, il y a un malade, on impose les mains, il guérit. Mais quand je vais dans la présence de Dieu et que je prie pour les dons, je dois être rempli de l'amour des âmes perdues. Que Seigneur vraiment permet que je puisse aller, que mes frères, s'ils reçoivent ces dons, Père, qu'ils puissent aussi avoir l'amour pour l'évangélisation, pour sortir, pour annoncer la parole, de sorte que partout où ils vont, Seigneur, qu'il y ait des miracles et que les âmes se convertissent, que les gens puissent voir vraiment la gloire de Dieu. Voilà l'amour que Christ a pour nous et que Christ a pour les âmes. Aime ton prochain comme toi-même, comme Christ l'a aimé, comme Christ même. Parce que Christ, pour Christ, il est mort à la croix. Ce n'était pas pour moi seul, ce n'était pas pour toi, mais c'était pour nous tous. Et c'est pour ça qu'il dit, j'ai encore beaucoup de brebis qui sont là à l'extérieur, qui ne sont pas encore dans la bergerie. Alors si je veux recevoir tout pour moi-même, ou tout uniquement pour ceux qui sont là autour de moi, pour mon frère que j'aime, parce que ça, ça devient l'amour de la chair, ce n'est même plus l'amour spirituel que nous manifestons, ça devient l'amour de la chair que je vais commencer à avoir avec mon frère ou avec ma soeur. Ça, ce n'est plus l'amour comme Jésus nous a aimé. Bien entendu, le Seigneur Jésus, quand on regarde sa marche, il y avait bien des personnes avec lesquelles il pouvait se retirer. Il y avait souvent, il y avait généralement trois. C'était Pierre, Jean et Jacques. C'était eux, non? C'est avec eux qu'il se retirait souvent pour prier, pour faire des... Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas mal. Mais il ne faudrait pas qu'on pense que ce n'est que nous, ce n'est que nous, ce n'est que nous, ce n'est que nous, et que tout doit uniquement s'arrêter à nous trois ou à nous deux ou à nous ceci. Non. Il faudrait que ce que nous faisons ensemble, à deux ou à trois, soit pour fortifier tous ceux qui sont là autour de nous. De sorte que, ayant prié à trois, Jésus et les deux autres, il les enseignait, il les formait que non, quand je ne serai plus avec vous, voici comment vous devez faire, voici comment vous devez agir avec les plus faibles, voici comment vous devez les tirer, voici. Et ça, vraiment, si ça, si nous ne sommes pas animés par cet esprit, ça veut dire que il y a encore beaucoup, nous sommes encore loin d'être les disciples que le Seigneur attend vraiment. Nous sommes encore très loin de ces disciples. Donc le Seigneur disait ici, quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, cela, je ne suis rien. Mais la question qu'on peut se poser, mais comment tu as autant de dons aussi forts, des dons aussi puissants, mais comment est-ce que tu n'es rien? En fait, tu n'es rien parce que, déjà, les personnes vers qui tu dois manifester cela, déjà tu ne les connaîtras pas. Parce que quand quelqu'un, regardez un peu quelqu'un qui est tellement riche, il fait quoi? Il se construit un bunker. Il reste dans son bunker. Quand il sort, c'est pour aller là où il creuse, il cherche son argent. Il ressort de là, il rentre dans son bunker, il ferme les portes. Donc, si quelqu'un reçoit toutes ces richesses de Dieu, parce que les dons sont des bénédictions spirituelles, c'est des richesses que le Seigneur nous donne. Si je reçois toutes ces richesses et que je m'enferme dans mon cœur, ces richesses ne me serviront absolument à rien. Mes frères et sœurs qui doivent en bénéficier, ils n'en bénéficieront pas. Ça sera là. Et pour moi, lorsque je vais me présenter devant le Seigneur va te dire, regarde le gaspillage que tu as fait. Regarde le gaspillage que tu as fait. Regarde tout ce que je t'ai donné. Qu'est-ce que tu en as fait? Tu as demandé, tu as prié, tu as pleuré, tu as passé des nuits à dire, oh Seigneur, aie pitié de moi, donne-moi ceci, donne-moi cela. Quand je ne te donnais pas, tu trouvais que je suis mauvais. Parce que certains vont même jusqu'à dire, mais comment Dieu donne ceci facilement à tel, Dieu donne à tel, tel autre. Je n'ai même pas vu ce qu'il a fait. Il a tel don, il a ceci, il marche comme ça. Maintenant, le Seigneur te dit, ok, j'ai compris. Donc, tu crois que je ne te donne pas parce que c'est moi qui suis mauvais? Tiens. Quand tu reçois alors cela,
Il restait donc à la maison. Ah, vraiment, le Seigneur est bon, hein? Le Seigneur est béni. Le Seigneur, vraiment, j'ai crié au Seigneur, il m'a donné, il m'a fait des dons. J'ai eu des dons, vraiment. Ma soeur, comment tu sais que j'ai des dons? Mais mon fils était malade, je lui ai imposé les mains. Immédiatement, la maladie s'est arrêtée. Ok. Et après? Non, moi, vraiment, j'ai déjà essayé ça sur trois de mes enfants. Hein. Tous, dès que j'impose les mains, guéris. J'impose les mains, guéris. On parlait des témoignages, on parlait. Tu reviens encore seulement sur tes trois enfants. Fais attention. Il y a le gaspillage que tu es en train de faire. Est-ce que le Seigneur t'a donné ses dons pour ta maison, pour tes enfants? Fais attention. Le Seigneur ne veut pas le gaspillage. Il ne veut pas le gaspillage. Il attend de nous qu'on soit rempli de l'amour pour les âmes perdues. Il faut avoir l'amour et pas l'amour humain. L'amour de Christ, c'est l'amour de Christ qui doit nous animer. Nous devons être remplis de l'amour de Christ. Sinon, nous allons avoir tous ces dons. Ils ne nous serviront absolument à rien. Nous allons les ranger dans nos placards. Nous allons les garder dans nos valises. Et ça ne sera pas utile. Et ça, à la fin, le Seigneur risque même de se fâcher contre nous. Que vous m'avez traité de méchant parce que je ne vous donnais pas telle chose. Pourtant, je savais que tu n'es pas encore prêt à les avoir. Je savais que le moment de te les donner n'était pas encore arrivé. Mais tu as tellement crié, tu as tellement crié, tu as tellement crié. Comme je suis le juge unique, je vous ai donc donné. Tu as pris. Maintenant, qu'en as donc tu fais? Qu'est-ce que tu as fait de tout ce que je t'ai donné? Tu vas commencer à pleurer. Que vraiment, Père, je ne savais pas. J'étais ignorant. Tu étais ignorant. Le Seigneur dit, verset 3, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Donc si je fais les choses parce qu'on me demande de les faire, si j'accomplis les actes parce qu'on me demande de les faire, de les accomplir, cela ne sert absolument à rien. Parce que l'amour véritable qui doit me pousser à les faire n'y est pas. Amen. Si cet amour n'y est pas, je vais faire des choses, monter, descendre. Vraiment, là c'était le sujet des enfants. Si quelqu'un n'est pas encore rempli de cet amour, tu vas travailler en vain. Autant mieux tu restes là. Vraiment, tu restes, tu pries, tu pries, tu pries. Ce n'est que le frère qui va encore parler même de ce sujet. Moi, je ne peux même pas en parler parce que je sais qu'on en a déjà parlé au milieu de nous une, deux fois. Il y a des sujets sur lesquels il ne faut plus. Moi, j'estime qu'on ne doit pas taper dessus, que taper. Si les bien-aimés n'ont pas les yeux pour voir, prions simplement. De sorte que quand parfois on se met à prier, quelqu'un ressent que vraiment ce que les bien-aimés sont en train de dire là, je me sens concerné, il se lève de lui-même, il va faire. S'il y a une seule sœur qui doit le faire, si c'est ma sœur Aïcha seule qui se lève, et quand elle voit que non, tous mes frères, mes sœurs, mes bien-aimés, mes sœurs n'ont pas encore vu qu'il y a ceci, elle se lève, elle y va, elle fait. Elle y va, elle fait, elle y va, elle fait, elle y va, elle fait. Quand ma soeur Aïcha viendra de là, en parlant, en prophétisant, ou en faisant ceci, ou en faisant cela, ou en faisant ceci, ou en faisant ceci, vous allez dire, mais comment elle l'a fait? Mais le Seigneur voit son amour. Amen. Vis-à-vis des enfants. Amen. Elle sait que si je lui donne ceci, cet amour qu'elle a vis-à-vis de ses enfants qui sont seuls, elle peut aussi le manifester à gauche, à droite, à gauche, à droite. Voilà comment les gens... Et ça, l'apôtre Paul, avant qu'il ne commence à parler de ceci, il dit, aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Et là, il annonce l'amour. C'est quand le Seigneur voit que vraiment, il y a des personnes qui sont remplies de cet amour, qui sont prêts à faire ceci, qui sont prêts à se sacrifier, Amen. Mais qui ont de l'amour, mais le Seigneur leur accorde des dons. Amen. Il leur dit, voilà. Il faut, celui-ci, on peut l'encourager. Celui-ci, quand on dit, Seigneur, nous avons besoin que tu nous viennes en aide. Le Seigneur va nous venir en aide dans quel sens?
il faut que le Seigneur lui-même, quand il voit comment est-ce que nous crions, on fait des choses, on essaye. Le Seigneur dit, je vois l'amour qui est dans le cœur de cette personne. Vraiment, voici, il va faire ceci. Il va accomplir ceci. Mais si on se lève parce que mon frère a dit que voilà, les sœurs, ne faites pas ceci, on se lève, ça ne sera pas. Je vous assure, ça sera un travail qui n'est pas validé par le Seigneur. Ça sera un travail vraiment qui n'est pas validé par le Seigneur. Et ça sera dommage parce que tu auras raté peut-être ce que tu voulais parce que tu as souvent eu l'habitude de vouloir satisfaire les oreilles en disant bon voilà, je vais écouter un enseignement que le Seigneur va déposer. Ce jour-là, tu vas rater l'enseignement, donc tes oreilles ne vont pas se réjouir. Et de l'autre côté, puisque tu ne seras pas rempli de l'amour même de ces enfants, tu seras en train de le faire comme une obligation et tu peux contaminer même ce manque d'amour aux enfants qui sont là autour de toi. Et ça, c'est ce qui peut arriver. Parce que si je vais faire les choses par contrainte, quand vous voyez souvent, on montre souvent certaines vidéos, une femme qui est en train de maltraiter des enfants ou qui en fait, elle fait ce travail parce qu'elle se dit que ici, d'abord, ce n'est pas mon enfant. Donc, comme ce n'est pas mon enfant, le salaire même qu'on me donne, il n'est pas suffisant. Donc, tu vas me casser les oreilles. Pourquoi? L'enfant commence à pleurer. Il tape encore plus davantage l'enfant. Parce qu'il n'a pas l'amour pour le travail qu'il est en train de faire. Et cet enfant aussi, quand il va grandir, il sera rempli de la même haine, il sera rempli de la même colère. Et c'est comme ça que l'enfant va grandir. Tu te demandes, mais comment l'enfant? C'est que la personne qui était là pour encadrer cet enfant aussi n'avait pas l'amour dans son cœur. Et il a contaminé, il a donné à l'enfant ce que lui-même avait en lui. Donc c'est pour ça que vraiment, quand quelqu'un n'a pas l'amour pour ses enfants, non, laissez les enfants, Dieu, lui, il s'en occupe. Vraiment, laissez que le Seigneur conduise les choses sans qu'une main humaine ne vienne faire quoi que ce soit. Ces enfants, Dieu en prend soin. Parce que quand on regarde comment est-ce que les enfants parlent du Seigneur, comment est-ce qu'ils ont l'amour, comment est-ce qu'ils louent, vous ne les voyez pas tous là où ils sont là. Hein? Ils ne sont pas du tout tristes. Parfois, eux-mêmes s'organisent et ils commencent à faire des choses. C'est dommage parce que le Seigneur, quand le Seigneur nous dit « instruis l'enfant », en fait, c'est quelqu'un d'autre qui est son parent, quelqu'un qui est plus âgé que lui, qui doit venir instruire cet enfant sur le chemin qu'il doit suivre. Mais si les personnes, les aînés, sont là, ils voient les enfants et ils ne font rien, le Seigneur dit « Ok, vous ne voulez pas vous en occuper, moi-même, je vais m'occuper de ces enfants parce que c'est un don que je vous ai fait. » Nous voulons des dons. Voilà aussi des dons que le Seigneur nous a fait. Il y a des assemblées où vous n'allez pas trouver des enfants, où il n'y a que des personnes qui sont, par exemple, d'un certain âge. Et eux, lorsque vous leur présentez une assemblée où il y a des enfants, ils vont dire, waouh, vous êtes bénis. Nous aussi, on aimerait même entendre un dimanche ou un jour où nous nous rassemblons, les enfants venir chanter, les enfants venir. Ça, nous le négligeons. Mais je vous assure, il y a des endroits où, pour des personnes, ça c'est un don, c'est même un sujet de prière. Que Seigneur fasse qu'il y ait des enfants au milieu de nous pour que nous puissions aussi être réchauffés par leur chant, par leur ceci. C'est des sujets de prière. Mais pour nous, comme cela nous a déjà été accordé, on se dit, ah, ce n'est pas utile, à quoi est-ce que ça sert? Déjà, on est séparés, et ils sont de l'autre côté, nous sommes d'une autre, donc nous parlons des affaires des grands et des enfants. Faisons très attention. Le Seigneur peut utiliser ses petits-enfants ou même les personnes qui ont vraiment l'amour dans leur cœur pour ses petits-enfants pour accomplir de grandes choses et nous montrer que vous cherchez ce qui est grand, vous abandonnez le tout petit. Malheureusement, vous n'êtes même pas encore en mesure de faire le tout petit. Dans les grandes, là, vous perdez votre temps à les chercher. Donc, mes frères, mes sœurs, voilà ce que je pouvais ajouter par rapport à tout ce que les frères ont dit. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Je vais lire juste un passage pour appuyer le dernier point que le frère a soulevé, qui est un point quand même essentiel dans ce qu'on a dit.
dans le sens de ne pas faire pour faire, pour satisfaire un être humain. Donc si on prend 1 Corinthiens chapitre 3, le Seigneur nous avertit par rapport à ça. 1 Corinthiens chapitre 3, du verset 10 au verset 15. C'est comme il nous dit dans Colossiens 3, verset 17, que tout ce que nous faisions, que nous le faisons au nom du Seigneur, pour le Seigneur, pas pour un homme, pas pour un frère. Selon, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement et un autre bâti dessus. Mais si quelqu'un, que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Donc on a reçu l'amour de Dieu, mais il faut qu'on fasse attention de la manière dont nous allons poser les œuvres là-dessus. Dans notre cas précis là, il faut qu'on fasse attention de la manière dont les œuvres vont se poser sur l'amour du Seigneur que normalement on a reçu. Car, verset 11, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Les œuvres préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Mais si ce sont les œuvres qui viennent d'un homme, on va voir ce que ça donne tout à l'heure. Mais si c'est vraiment l'amour de Dieu qui me pousse à faire une œuvre, c'est que là j'entre vraiment dans les œuvres préparées d'avance pour que le Seigneur que le Seigneur a préparé d'avance pour que je les pratique. Mais si c'est que j'obéis à un homme, même si c'était les œuvres que le Seigneur avait prévues d'avance, ça devient les œuvres qu'un homme a prévues pour moi, puisque c'est lui qui m'a dit de faire ça. Donc ensuite, maintenant, il dit ici, or, verset 12, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois et du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Même si ce n'est pas manifesté ici dans l'assemblée, c'est manifesté devant le Seigneur. C'est-à-dire que si mon cœur n'est pas pur, si ma motivation n'est pas désintéressée et remplie de l'amour de Dieu, quand je vais le faire, si je fais quelque chose par contrainte, par obligation, bien pour faire voir que j'ai fait, ainsi de suite, ça sera manifesté un jour. Ça sera c'est une perte de temps. Comme il disait, autant mieux rester là et puis recevoir la parole de Dieu qui, elle, peut travailler dans mon cœur pour que cet amour-là devienne remplisse vraiment mon cœur afin que je puisse me lever pour faire les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance et non que un frère a préparé d'avance pour moi. Donc ensuite ici il dit, car le jour, verset 13, la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Un jour le Seigneur va exposer en fait ça à la lumière, comme ça que ce que tu fais, tu ne le fais pas avec l'amour de Dieu. Ça sera manifeste comme ça devant tout le monde. En fait, Dieu peut nous exposer comme ça. Si on fait quelque chose qui n'est pas animé vraiment de l'amour de Dieu, et que nous sommes véritablement, parce que Dieu châtie ce qu'il aime. C'est ce qu'il dit dans sa parole. Un jour, en fait, Dieu va l'exposer comme ça, devant tout le monde. Je prends un exemple. Peut-être un jour, tu te retrouves seul. Les enfants, peut-être, tu dois t'en occuper. Ou bien tu es arrivé en premier et les enfants sont là. Les autres vont arriver, on va te trouver ici. Tu es en train de faire autre chose et les enfants sont seuls. Et en fait, Dieu t'aura exposé comme ça qu'en réalité, tu le fais parce que les gens sont là. Et quand les gens ne sont pas là, tu fais autre chose. C'est juste un exemple. Hein? Et Dieu est suffisamment sage, en fait, pour mettre ça à la lumière. Ce qui est dans les ténèbres, il est suffisamment sage pour mettre ça à la lumière. Et ça, c'est encore par amour pour nous. Il peut le faire quand nous sommes encore ici, comme il peut le faire à la fin quand on sera devant lui. Et là, c'est beaucoup plus dangereux. Donc ici, il dit bien, dans toutes les œuvres que nous posons, nous faisons en disant, je fais ça pour Dieu, sachant qu'un moment va venir où ça sera révélé. En fait, c'est la motivation pour laquelle on fait ces œuvres-là. Ça se fera connaître. Et ça, ce n'est pas devant un homme, c'est devant Dieu, en fait. Ça se fera connaître d'une manière ou d'une autre. D'où, justement, nous devons toujours nous examiner et nous assurer que nos sentiments sont purs dans ce que nous faisons.
que nos sentiments sont vraiment animés par l'amour de Dieu. Que quand on se sent dérangé comme ça parce qu'on a vu quelque chose, qu'on ne fasse pas pour que ça fasse plaisir à X ou Y, mais c'est simplement parce que je sais que ça là, ça glorifie le nom de l'Éternel. Et c'est ça la seule motivation qui est dans mon cœur. Car le jour la fera connaître, chaque œuvre que je pose, il y aura la lumière de Dieu va venir taper là-dessus. Le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Donc il y aura des épreuves, des choses qui vont révéler si réellement ça. Quand on dit au travers du feu, par exemple, je ne sais pas, je peux être en train de faire quelque chose, mais comme je ne suis pas animé véritablement de l'amour de Dieu, le Seigneur peut provoquer une petite difficulté dans l'exercice de ce que je suis en train de faire pour voir si je vais persévérer. Mais quand la difficulté va se présenter, je vais sauter dessus comme étant un alibi pour ne plus le faire. En fait, Dieu est en train de m'exposer. Il expose vraiment que, parce que si c'est une œuvre qui vient du Seigneur, qui vend, qui neige, tu vas le faire. Parce que tu le fais pour Dieu. Tu vas même aller dans la prière, dans le jeûne, pour que Dieu détruise les obstacles, ce qui t'empêche de faire, pour que tu le fasses. Mais si tu saisis ça comme étant un alibi, si on parle de studium, non, moi j'ai telle circonstance atténuante, en fait Dieu est en train d'exposer simplement que tu n'étais pas dans la disposition de cœur de le faire. Tu n'étais pas disposé à le faire. Donc Dieu lui-même, il peut effectuer une sélection comme ça, en mettant volontairement des obstacles pour que celui qui va vraiment traverser ces obstacles-là, c'est celui qui a l'amour véritable de faire le travail. Parce qu'on ne fait pas le travail du Seigneur comme ça avec n'importe quelle motivation. Tout le travail qu'on fait, dès qu'on fait pour Dieu, c'est quelque chose de saint. Amen. C'est quelque chose qui est saint pour le Seigneur. Il vaut mieux ne pas toucher le travail du Seigneur que de le faire avec négligence ou le faire comme une obligation, ou il vaut mieux ne pas toucher ça. Il vaut mieux le laisser et aller prier et dire: Seigneur, non, vraiment ça, si je m'engage, je veux le faire vraiment comme pour toi. Je ne veux pas le faire avec en murmurant, en me plaignant. Ça c'est tellement désagréable à Dieu de travailler pour lui en se plaignant, en murmurant. Il vaut mieux le laisser. Parce que, en fait, comme le frère disait, Dieu n'oblige personne à faire son travail. Et Dieu pourvoit toujours. Là, par exemple, les pays là où on ne peut pas aller prêcher l'évangile, où c'est fermé, Dieu descend lui-même, il prêche aux gens. Donc, le travail de Dieu se fera toujours avec ou sans nous. C'est nous qui supplions Dieu de nous intégrer dans son travail. Ce n'est pas lui qui nous supplie. Si tu ne fais pas, par exemple, on peut venir, on est en train de chanter, ou bien il y a une parole qui doit sortir, tu as peut-être peur, tu as honte. Si tu ne sors pas, Dieu met ça dans la bouche de quelqu'un, ça sort. Point. Je crois que nous tous, on a déjà dû vivre ça ici. Tu viens, tu as quelque chose dans le cœur, tu hésites. Ah, si je dis, comment on va m'embrasser? Après, boum, tu entends seulement, ça sort dans une prière. Parce que Dieu veut que ça sorte. Ben, si tu n'es pas disposé à le faire, il y a plusieurs vases qui sont là et Dieu le fera. Donc, de la même façon, s'il y a un travail pour Dieu qui est là, si tu ne le fais pas, ça se fera quand même. Dieu pourra. Si personne ne fait, Dieu va le faire. Amen. Dieu va quand même le faire. Donc, en fait, nous devons nous assurer effectivement que l'or, l'argent, le bois, le chaume, tout ce que nous venons là, c'est-à-dire les sentiments de nos cœurs, les motivations de nos cœurs avec lesquels on vient faire ce travail-là, c'est pur, sachant que c'est le travail de Dieu que nous sommes en train. Nous ne sommes pas en train de faire le travail du frère Alain ou le travail des enfants. Non, on fait le travail là pour Dieu. Amen. Et c'est ça, cette motivation-là, ce travail-là pour Dieu. Moi, je vous ai souvent donné mon témoignage. Avant de venir, que le Seigneur m'appelle à prêcher l'évangile à l'assemblée où j'étais, dès qu'on dit, est-ce que quelqu'un, je fais, et je le faisais vraiment pour le Seigneur. Je ne le faisais pas en m'attendant à ce que le pasteur un jour donne une éloge que frère Alain a fait. Non, pas du tout, du tout, du tout. On dit les serviteurs de Dieu, voici ma voiture, je veux les transporter. Je ne fais pas ça en attendant quelque chose. Je fais parce que pour moi, c'est normal, c'est logique, c'est un besoin qui est dans l'église. Il faut que quelqu'un le fasse. Et je le fais juste avec cette motivation-là. Et un jour, le Seigneur lui-même, il vient, il dit: non, maintenant, je vais te confier la tâche des âmes. Parce que je vois ce que tu fais là dans le secret. La motivation qui est derrière n'est pas l'attente d'une reconnaissance d'un homme. C'est vraiment parce que je sais qu'en faisant ça,
ça réjouit le cœur de Dieu et ça, ça doit être fait de toute manière. Un enfant de Dieu doit pouvoir faire ça. Souvent, quand je restais dans l'assemblée, ah, il y a tel besoin, je vais voir le pasteur, ça là, ça manque, il faut qu'on comble ça. Je ne viens pas pour qu'il me dise, ah, toi au moins tu fais. Non, pas du tout. Parce que c'est nécessaire dans l'église de Dieu. Point. C'était ça ma seule motivation. Ça là, ça manque. Si on faisait comme ça, ça peut être bien. Je viens, je lui expose ça dans toutes les assemblées où je suis passé, il y en a deux ou trois simplement. Je faisais toujours ce travail-là. Parce que, en fait, dans mon cœur, c'était, je ne vois pas l'œuvre du Seigneur comme l'œuvre du pasteur ou l'œuvre de telle personne qui a les responsabilités. Pas du tout. J'arrive et je me sens concerné par l'œuvre de Dieu parce que c'est l'œuvre de notre Père, nous tous. S'il y a quelque chose qui nous manque, nous portons tous la responsabilité, que ce soit celui qui enseigne ou les autres. Et c'est comme ça, en fait, que quand Dieu voit comment tu te sens concerné par son travail, Dieu vient lui-même, il te dit, bon, ok, je t'ai vu dans les petites choses-là que personne ne voit, je vais te confier quelque chose de plus grand. Et ça, c'est important. Ne cherchons pas les grandes choses, comme on disait, cherchons d'abord les toutes petites-là. Et ce n'est pas parce que Dieu t'a confié les grandes que tu ne vois plus les petites. Les petites sont toujours là, on continue toujours à les faire. Avec que ça soit prêcher l'évangile devant 1500 personnes ou bien me mettre devant une personne et lui parler seul à seul comme ça, l'important pour moi est la même. Amen. Parce que cette âme-là qui est devant, elle est aussi précieuse pour Dieu que 500 000 personnes. Amen. C'est la même chose. Donc c'est vraiment ce sentiment que nous devons avoir dans le cœur. Donc il parle du chaume ainsi de suite. Donc, car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Ça peut être un obstacle que Dieu met exprès. Et il dit, le feu éprouvera quelle est la nature de l'œuvre. Donc, on voit que ce n'est pas seulement ce qui paraît qui est important pour le Seigneur. Il gratte pour savoir quelle est la nature, ça vient de quoi. Quelle est la motivation qui est derrière. Est-ce que je suis allé rendre visite à Mama Tecle parce qu'on a dit que, bon, il faut s'envoyer des messages, il faut rendre visite. J'envoie deux, trois messages. En plus, je vois, elle ne me répond jamais. Terminé, j'ai fini. Ben, Dieu peut faire ça. Il voit que tu as entendu le message, mais il va t'éprouver. Tu vas dire, ah, maintenant, il faut que je prenne les nouvelles. Tu envoies une fois, pas de réponse. Tac, deux fois, quatre fois, cinq fois. Après, tu dis, ah, celle-là, elle ne répond jamais, je la classe. Je prends quelqu'un d'autre. En fait, tu révèles simplement que tu l'as fait comme une œuvre humaine. C'est une œuvre humaine. Et dont le feu, la difficulté, donc c'est une difficulté que Dieu a mis là. La difficulté révèle directement que, en fait, ça, ce n'était pas quelque chose qui venait du fond du cœur. Ce n'était pas vraiment la disposition de cœur que le Seigneur donne qui te poussait à le faire. C'est simplement sur le coup d'une émotion, tu as entendu quelque chose, tu t'es dit, ah oui, il faut quand même que je le fasse. Mais en réalité, tu t'es débarrassé de ça. Donc, c'est important de chercher les motivations. Dieu, lui, quand il parle de la nature de l'œuvre, c'est la motivation qui a poussé l'œuvre à être manifestée. Donc, le Seigneur ne regarde pas seulement la surface. Pour voir qu'en surface, là, ça a l'air très beau, ça a l'air d'être ce qu'il faut faire, mais le Seigneur, lui, va gratter un peu plus pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Et c'est ça qui intéresse vraiment le Seigneur, la racine des choses. C'est parti de quoi? Quelle est la motivation? Voilà pourquoi, par exemple, le Seigneur va dire, vous avez entendu dire qu'il vous a été dit, tu ne commettras pas adultère, mais celui qui regarde seulement la femme de son prochain pour la convoiter a déjà commis adultère, il condamne l'adultère dans le cœur. Parce que pour lui, en fait, l'acte part du cœur. Dans la visite, le SMS, l'assistant des enfants ou autre chose de ton frère, de ta soeur, le Seigneur ne va pas seulement voir que tu l'as fait. Il va regarder dans le cœur, qu'est-ce qui a motivé ça? Qu'est-ce qui a suscité vraiment cet élan-là? Est-ce que vraiment c'est pour réjouir le cœur de Dieu ou bien la motivation est autre? Et il dit l'œuvre de chacun. Donc le Seigneur va examiner. Même si on dit, bon, ok, il y a une direction qu'on donne, on va faire quelque chose en groupe. Si tu es un suiveur seulement, ça aussi, ça va se révéler. Amen. Si, il dit l'œuvre de chacun. Donc, il peut avoir une œuvre de groupe, une bonne direction que tu n'avais peut-être pas vue, mais la disposition de cœur avec laquelle tu vas t'associer dans cette œuvre-là va être révélée.
Si on dit il faut assister un tel, tu dis ah Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, parce que moi je n'avais pas vu, mais tu as ouvert les yeux de mon frère, de ma soeur, pour qu'il voit ça et qu'il puisse nous encourager là-dedans. Seigneur, j'aimerais que moi aussi que tu ouvres mes yeux pour que, et que tu rentres vraiment dans une disposition de cœur saine devant le Seigneur. Ça va se révéler positivement. Mais si tu dis bon, ok, de toute manière, il ne faut pas que je sois celui ou celle qui se met à part par rapport à ce que tout le monde a décidé. Bon, je vais aussi faire pour faire. Ça, Dieu va aussi le révéler. Et en fait, il le dit après, hein, en fait, cette œuvre-là sera consumée. Ce sera comme si tu n'as rien fait. Tu vas arriver devant le Seigneur quand il sépare les brebis des boucs. Il dit, ah, j'étais malade, vous avez fait ça. Tu dis, mais Seigneur, je dois être au milieu de ceux qui ont rendu visite aux malades. Mais j'ai rendu visite à Stéphanie, j'ai rendu visite à tel qui était malade. En fait, tout ça, ça a été consumé. Parce que, en fait, la motivation n'était pas bonne. Tu es parti juste parce qu'on t'a dit il faut visiter les malades. Et puis, la motivation même de bon, ok, ben, je vais aussi le faire pour qu'on ne dise pas que je ne suis pas allé. Et ainsi de suite. Tout ça consumé. Oh, les gars, il n'y a plus d'œuvre. Sauvé comme au travers du feu. Il n'y a aucune œuvre. Tu as dit mais Seigneur, j'ai fait ça. J'ai fait quand même ça. J'ai aussi fait ça. Le Seigneur te montre simplement à ce moment-là, regarde la motivation qui était dans ton cœur. Ça, ce n'était pas bon. Ça, là, ce n'était pas bon. La manière dont tu es parti avec ça, en fait, il n'y avait pas le don de soi. Tu es parti vraiment. Regardons la deuxième épître aux Éphésiens, qui est la lettre que le Seigneur adresse aux Éphésiens au travers de l'apôtre Jean. Il va dire quoi? Il a cité beaucoup de choses qu'il aime dans l'église d'Éphèse. Qu'est-ce qu'il leur reproche? Quelque chose qu'on pourrait dire, mais attends, par rapport à tout ce qu'il apprécie là, qu'est-ce que le Seigneur est en train de leur reprocher? Et souviens-toi de ton premier amour. Retourne d'où tu es tombé. Ce n'est pas qu'il ne faisait plus, hein. Il faisait, mais c'était comme par habitude, ce n'était plus par amour. Amen. Il continue à faire le travail de Dieu, mais le premier amour avait disparu. Il n'y avait plus la motivation vraiment du Seigneur. Il le faisait juste par formalisme, il faut le faire, on le fait, ainsi de suite. Et le Seigneur a mis le doigt là-dessus. Il n'a pas laissé. C'est là où on voit le Seigneur, il part dans les détails. Et le Seigneur donne des avertissements, même pour ça. Le Seigneur donne des avertissements à l'église des fêtes. Allons un peu lire. Il donne des avertissements pour ça. Ça peut nous paraître... Comme n'ayant pas de sens, on va se dire, mais ils ont fait quand même des choses. Ils sont restés dans la volonté de Dieu, ils condamnent les œuvres des Nicolaïtes, ils font pas mal de choses, mais normalement, ça, c'est une belle église, ça, Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, c'est la première église à laquelle le Seigneur parle. Il dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite et celui qui marche au milieu des chandeliers d'or. Je connais tes œuvres. Donc le Seigneur, en fait, il voit tout ce qu'on fait. Donc il connaît. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Persévérance extraordinaire, qualité d'un enfant de Dieu, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans les prières, ainsi de suite. Donc, ils étaient dedans. Je connais ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Tout vraiment les œuvres du Seigneur. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Vraiment, ils combattaient le bon combat de la foi. Ils combattaient les fausses doctrines. Tu as... Et il le dit encore pour la deuxième fois. Tu as de la persévérance, ce qui est une grande qualité. Il dit, tu as souffert à cause de mon nom. Ça, ce sont quand même des éloges que je crois que chacun d'entre nous, on se disait, si même j'avais déjà ça. Tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Donc, ils ne se sont même pas arrêtés. Mais jusque-là, c'est extraordinaire. On pourrait dire, le Seigneur peut conclure ici que vraiment la couronne de justice t'est réservée. Il pourrait s'arrêter là quand on regarde déjà tout ça. Si nous on a seulement la moitié de ce qui est là, on peut marcher comme quelqu'un qui a même déjà été enlevé. Alors que ce n'est pas le cas. Regardons comment le Seigneur continue. Mais j'ai contre toi. Mais j'ai contre toi. J'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. C'est juste une question d'amour dans tout ce que tu fais là. Donc il fait quand même, mais il n'y a pas l'amour de Dieu là-dedans.
il n'y a pas la recherche de réjouir le cœur de Dieu dans ce qu'il est en train de faire. Il le fait comme par formalité, il faut que je le fasse, il fait ainsi de suite. Donc, ça c'est quand le Seigneur nous parle dans 1 Corinthiens 3, la nature de l'œuvre. Quelle est la nature de cette œuvre-là? Donc, le Seigneur va gratter pour voir cette nature. Et s'il dit, j'ai quelque chose contre toi, ça veut dire qu'il va aussi aller gratter dans la nature des œuvres que nous produisons. Il ne s'arrête pas juste en superficie et voir que oui, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Il va regarder la nature. Et ensuite, maintenant, il ne dit pas, bon, ok, tu as abandonné ton premier amour, c'est pas grave, retrouve-le et puis il s'arrête là. Et regardons comment le Seigneur parle. Souviens-toi donc d'où tu es tombé et repens-toi. Et repentance pour le manque d'amour, hein. Pour ce que les œuvres que tu fais n'est pas remplies d'amour, le Seigneur demande la repentance. C'est fort quand même de voir que des œuvres sont faites quand même, mais le Seigneur demande de se repentir. Mais Seigneur, je me suis occupé des enfants, et repens-toi de ce que tu viens de dire là, parce que la disposition de ton cœur était mauvaise. Le Seigneur dit, demande de se repentir de ça. Repens-toi. Parce que tu as continué à faire les œuvres, mais sans amour. Sans rechercher à réjouir le cœur du Seigneur dans ce que tu es en train de faire. Sans vraiment la motivation du cœur dans ce que tu es en train de faire. Mais maintenant, tu es rentré soit dans la routine, soit dans la recherche, la reconnaissance des hommes, soit parce que tu crains un homme, ainsi de suite. Mais ce n'est plus le Seigneur qui est devant dans la motivation de ce que tu recherches. Et il demande, c'est pour ça qu'il demande de se repentir. Il dit, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Donc au début, il pratiquait ces œuvres-là, motivé par l'amour de Dieu, motivé par la recherche de la réjouissance du cœur du Père, mais il a perdu ça entre-temps. Et il a continué dans les œuvres humaines. C'étant les mêmes œuvres apparentes comme ça, mais les motivations maintenant sont charnelles. Il n'y a plus la motivation de réjouir le cœur de Dieu, et le Seigneur met le doigt là-dessus. Et il parle comme ça, c'est à la fin. Hein. C'est à la fin qu'il parle comme ça aux églises. Donc ça, en fait, ce sont des critères qui entrent en compte pour l'enlèvement. Parce que le chapitre 4 parle de l'enlèvement directement. Une porte va s'ouvrir dans le ciel et il va dire à Jean, monte ici, c'est l'image de l'enlèvement. Et il parle d'abord aux églises. Quand il finit de parler aux églises, il montre l'image de l'enlèvement. Donc ça montre des petits détails sur lesquels le Seigneur va s'arrêter pour qu'il n'y ait ni tache ni ride par rapport à ça, pour pouvoir enlever une église vraiment sainte. Donc ne voyons pas ça en disant non, vraiment on exagère, c'est on va trop loin, ainsi de suite. Quand on regarde les exigences du Seigneur, on voit que les exigences du Seigneur sont élevées. Pourquoi ces exigences sont élevées? Parce qu'on a aussi le Saint-Esprit. On a le Saint-Esprit en nous, donc le Seigneur a raison de mettre des exigences élevées comme ça parce qu'il nous a donné la capacité de le faire. Donc ici, il dit, souviens-toi d'où tu es tombé, verset 5, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Il pouvait s'arrêter là. Regardons ce qu'il dit. C'est fort quand même. Hein? On pourrait dire ça, c'est tout petit comme ça, mais c'est rien. Ça là, ce que le Seigneur dit là, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. Ce n'est que Dieu qui voit ça. Ce qu'il révèle là, ce n'est que Dieu qui voit ça. Eux-mêmes ne voyaient pas ça. Pourquoi? Parce qu'il continue à faire. Les premières œuvres étaient toujours, puisqu'il a parlé de persévérance. Donc, ils ont continué à faire ces premières œuvres-là. Donc, celui qui avait juste un regard superficiel comme ça, verrait que, mais bon, attends, les frères, ils évangélisent toujours. Je ne sais pas, ce qu'ils faisaient avant, ils le font toujours comme avant, ainsi de suite. Mais c'est le Seigneur qui vient, il gratte, il dit non. Il y a quelque chose qui a changé là-dedans. Les résultats que vous faites toujours la même chose, mais la disposition de cœur avec laquelle vous la faites n'est plus la même qu'au début. Et il demande de se repentir. Et il parle d'un jugement. Il parle d'un jugement pour ça. C'est là où on voit que, en fait, le Seigneur, ce n'est pas. Il ne rabaisse pas comme ça le standard de l'exigence qu'il attend de son Église. Il ne rabaisse pas ça. Il dit. Souviens-toi donc, verset 5, d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place. C'est fort quand même. Hein?
Le chandelier, c'est ce qui donne la lumière. S'il n'y a plus de lumière, on tombe dans les ténèbres. Complètement. Imaginons un chrétien à qui le Saint-Esprit ne parle plus. Il va marcher comme un... En fait, c'est qu'il vient de frapper d'aveuglement, c'est ce que ça veut dire. Parce que là, tu n'auras plus de lumière. Celui qui n'a plus de lumière devient aveugle. En fait, il marche, il pose les pieds, il ne sait plus où il pose les pieds. Parce que je t'ai donné une lumière qui ne te sert à rien du tout. Donc, je viendrai ôter le chandelier. Je viendrai et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Donc, il insiste pour que la repentance soit là. Cependant, tu as ceci pour toi, c'est que tu as la haine pour les œuvres des Nicolaïdes, pour lesquels j'ai aussi de la haine. Donc on voit vraiment le Seigneur, il reconnaît tout ce qui est bon, mais ça on peut dire que non, c'est pas très important, c'est une petite virgule, mais on voit non seulement que un, le Seigneur le relève, mais il ne se limite pas juste à relever ça. Il pose une condition, la repentance et un jugement avec. Il pose un jugement. On ne juge que ce qui est péché. Donc c'est un péché en fait. C'est un peu difficile de le dire, mais c'est un péché. Le Seigneur le considère comme ça. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc là, cette mort spirituelle dont il parle là vient comme étant le salaire d'un péché qui a été commis. Le péché juste du manque d'amour dans ce qu'on fait pour le Seigneur. Du manque de recherche de la gloire du Seigneur dans ce que nous sommes en train de faire. Le manque de la pureté, de la motivation qui me conduit à poser un acte pour le Seigneur. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc on voit vraiment que l'église d'Éphèse, que nous sommes aussi, devait prendre ça en considération et vraiment s'en repentir et le mettre en pratique. Je finis juste la lecture de 1 Corinthiens, pour que j'avais commencé. Et je vais m'arrêter là. Donc, on était au verset 13. On a fini par dire que l'œuvre de chacun, donc de manière individuelle, même si on s'inscrit dans une œuvre collective, l'œuvre de chacun de manière individuelle sera révélée au travers du feu. Si l'œuvre bâtie, verset 14, 1 Corinthiens 3, 14, si l'œuvre bâtie par quelqu'un, donc on voit que le Seigneur prend ces œuvres-là de manière individuelle. Si l'œuvre de quelqu'un, si l'œuvre bâtie par quelqu'un, sur le fondement subsiste, il recevra la récompense. C'est-à-dire que si l'épreuve, la difficulté vient, éprouve et que vraiment la personne persévère parce qu'elle a l'amour pour Dieu et qu'elle recherche vraiment de réjouir le cœur de Dieu, cette personne recevra une récompense. Verset 15. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée parce que le Seigneur a révélé que la motivation du cœur n'était pas pure, il en subira la perte. Donc ça sera comme si il n'a rien fait par rapport à ce domaine-là et il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Amen. Amen. Chercher la gloire de Dieu dans tout ce que nous faisons. Seigneur, nous voulons encore te rendre grâce pour ce moment de partage, pour ce moment de communion fraternelle que tu nous donnes. Merci parce que, Seigneur Père, dans ta parole, tu nous dis de ne pas abandonner le fait de nous rassembler, Seigneur Père éternel, d'autant plus que nous voyons le jour s'approcher. Car c'est vraiment dans ces rassemblements-là que ton chandelier, ta lumière, vient encore pour nous éclairer.
Seigneur Dieu, nous voulons te rendre grâce. Bénis ton saint nom pour l'amour que tu manifestes encore vis-à-vis de nous par ces rappels. Seigneur Père, tu nous dis dans ta parole que celui qui ne subit pas le châtiment, la correction de Dieu, est un enfant illégitime. Père, nous te disons merci encore parce que tu viens nous révéler ces choses, Seigneur Père éternel. Merci, Seigneur Père, d'abaisser encore nos cœurs. Ce n'est pas parce que c'est nous, nos bouches que tu as utilisées pour apporter ce message qu'il ne s'adresse pas aussi à nous. Donne-nous de pouvoir examiner encore dans nos propres cœurs, Seigneur Dieu, toutes les motivations des œuvres, Seigneur Père, que nous pratiquons pour toi, Seigneur Père, afin que rien de souillé ne vienne se retrouver dans les motivations de nos cœurs, dans ce que nous faisons. Père, nous sommes tant environnés par les ruses du malin, les ruses de la chair, Seigneur Père éternel, qui peuvent venir souiller les motivations que nous avons dans notre cœur. Mais nous te prions d'ôter tout cela au nom de Jésus. Père, nous voulons te demander pardon pour toute œuvre, Seigneur Père, que nous avons posée, Seigneur Dieu Tout-Puissant, avec la motivation que ce soit pour ta gloire, mais dans laquelle, Seigneur Père éternel, nous nous sommes retrouvés complètement dans des motivations charnelles, dans des motivations humaines, Seigneur Père. Seigneur Père, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous t'avons servi en gémissant, pour toutes les fois où nous t'avons servi en murmurant, pour toutes les fois où nous t'avons servi en nous plaignant. Seigneur Père éternel, pardonne-nous. Pardonne-nous, donne-nous vraiment une motivation pure, sainte, Seigneur Père, que lorsque, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous disons quelque chose pour un de tes enfants, Seigneur Père éternel, qui ne va pas dans la bonne direction, que ça soit toujours pour le ramener, Seigneur Père éternel, pour le ramener dans l'obéissance, mais que cela ne soit pas comme un agacement, Seigneur Père, pour nous, que cela ne soit pas comme une plainte devant toi, Seigneur Père éternel. Père éternel, viens vraiment purifier chacun de nos cœurs, Seigneur Père éternel. Seigneur Dieu, reçois, Père éternel, vraiment la repentance de nos cœurs, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin que tout ce que nous fassions pour toi soit avec des motivations pures, Seigneur Père éternel. Que cela soit toujours pour rechercher à réjouir ton cœur, Seigneur Père éternel, à faire les choses comme pour toi-même, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Donne-nous, Seigneur Dieu, de ne jamais rechercher la gloire des hommes, de ne jamais rechercher l'appréciation des hommes, Seigneur Père éternel, mais de rechercher toujours à réjouir ton cœur, à faire les choses, Seigneur Père, comme tu veux, par amour pour toi, comme reconnaissance de l'amour que tu as manifesté en premier vis-à-vis de nous, en nous rachetant, Seigneur Père, du feu, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans lequel nous étions, Seigneur Père éternel. Béni soit ton saint nom encore, que cela apporte vraiment du renouveau dans nos cœurs, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nous entrions vraiment de plein pied dans les œuvres que tu as préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Seigneur Père, que cela ne puisse pas être des œuvres humaines, mais que cela puisse être vraiment ces œuvres que toi-même tu as préparées d'avance, Seigneur Père. Donne-nous la spontanéité, Seigneur Père éternel, dans tout ce que nous devons faire pour manifester l'amour à notre prochain. Père, que nul n'ait besoin de nous instruire là-dessus, mais que seul ton esprit nous parle, Seigneur Père, afin que cela vienne vraiment de l'obéissance, Seigneur Père, à toi-même directement, de la motivation de réjouir ton cœur, Seigneur Père éternel. Père, c'est cela même que nous voulons pour nos vies, afin que tu sois réjoui de la manière dont tes enfants marchent dans la vérité, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, nous bénissons encore ton saint nom. Merci parce que toi-même, tu pourvois à tous nos manquements. Seigneur Père, tout ce que nous ne voyons pas, nos yeux sont encore fermés sur beaucoup de besoins de ton Église. Merci parce que toi-même, tu pourvois à ces besoins que nous aurions dû, Seigneur Père éternel, pourvoir, Seigneur Père. Père, continue à nous conduire. Sois encore patient vis-à-vis de nous. Continue à nous ouvrir les yeux. Seigneur Père, tu vois, notre cécité est encore grande. Nous avons besoin du colis qui vient de toi pour que nos yeux s'ouvrent, pour que les yeux de nos cœurs même s'ouvrent, Seigneur Père éternel, afin que l'amour que tu as déposé dans nos cœurs puisse se manifester véritablement, afin que ceux qui ne te connaissent pas puissent voir cet amour en nous et reconnaître que nous sommes véritablement tes disciples, Seigneur Père éternel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.